Il y a l'idée de reprendre en fait le pouvoir. Donc si effectivement le trésor c'est le pouvoir, ou là, effectivement il y a l'idée de reprendre le pouvoir en tant qu'artiste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Laurent Bazar. Je m'appelle Jérémy Kleiss et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @senscreatif_podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions encore une fois Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Merci, merci. Merci Patreon. On n'aurait pas pu imaginer meilleur partenariat cette année parce que oui, comme lui dirait Public Enemy, power to the people. On croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la puissance du truc, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche? En fait c'est très simple, il faut se rendre sur la plateforme patreon.com, créer un compte et commencer à fédérer toute ta communauté en leur proposant différents paliers pour soutenir financièrement l'artiste ou le créateur en échange de contreparties, un peu comme du crowdfunding. Vous connaissez probablement le concept. On précise qu'il n'est pas obligatoire d'offrir des contreparties. Ce que vous produisez est probablement déjà suffisant, mais ça aide toujours à inciter les gens à vous soutenir. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. Bref, à vous d'être créatif. Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience et que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon et la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et aujourd'hui, on est très très heureux de vous présenter notre discussion avec John Hamon. Alors John Hamon, en fait, on pense que c'est un street artiste, il y en a d'autres qui disent que c'est un artiste contemporain, mais lui se définit comme un artiste, tout ouais, simplement. Pur et dur. Voilà, pur et dur. Et notamment, bah, son grand axe de travail, bah, c'est de montrer sa tronche sur une affiche et de la coller ou de la projeter, parce qu'il fait aussi de la projection, ou alors de la mettre sur des billets. Enfin, il a vraiment plein d'idées pour jouer avec. Ouais. Il fait de la réalité augmentée. Il est dans le multivers également. On dit le multivers ou multiverse? On dit les multivers, ça dépend en anglais ou en français. Ah ok, intéressant. Donc oui, c'est une figure assez mystérieuse. Beaucoup de gens pensent peut-être qu'il fait que placarder son image depuis 20 ans, mais comme tu l'as dit, quand on creuse, quand on va voir... Non, il a une véritable œuvre et un propos qui est vraiment très très fort derrière. Donc voilà quoi. Oui, d'ailleurs son slogan c'est la promotion qui fait l'artiste, ou le degré zéro de l'art. Exactement, c'est ça. Au début, je saisissais pas trop, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas si compliqué que ça. Puis si vous êtes un tout petit peu féru d'histoire de l'art, bah en fait, vous vous souvenez certainement du mouvement Dada avec Marcel Duchamp et c'est très dadaïste, en fait, ça démarche. Je me souviens, quand il a commencé à te suivre sur Instagram, j'étais genre, Laurent, tout de suite, on le contacte. Moi, j'étais hyper content de pouvoir lever le voile un tout petit peu. Bah, en fait, on s'est déjà contacté il y a quelques années pour un projet qui avait pas pu se faire. Ah, toi et lui? Ouais, ouais. Ah, j'avais oublié ouais, ça. Complètement. Ouais. Okay. Et donc là, pour un nouveau projet, en fait, il m'a recontacté. Ouais. J'en parle pas parce que pour l'instant, on dit rien. Mais c'était l'occasion, nous, on pensait de toute façon contacter John Hamon pour lui poser des questions. Ouais. Et, c'était l'occasion qui faisait le larron. Ouais. On a sauté sur l'occasion. Je me souviens avant de le rencontrer, enfin toi tu avais déjà travaillé un petit peu avec lui, mais j'étais genre ok, alors je sais qu'il a presque 40 ans et je connais que ce visage de lui quand il avait a priori 17 ans, donc c'était grisant pour moi de lever le voile, ouais, de découvrir qui est l'homme derrière le personnage. Le John Hamon. Donc du coup, de quoi allons-nous discuter dans cet épisode? Bah, on va déjà parler de son parcours scolaire, parce qu'il est assez intéressant. Il a quitté l'école assez tôt. Ouais. Et il revient en long, en large, en travers dessus. C'est assez intéressant. On discute aussi de l'origine, évidemment, de son fameux portrait et comment il a développé son projet, ce projet que vous connaissez très probablement. Mais quelle est l'origin story? On va parler également de son incroyable envie de s'inscrire dans l'histoire de l'art. C'est quand même des choses vraiment très forte, hein. On peut avoir envie de faire un livre, il y a pas de demi-mesure. Lui, il veut être dans l'histoire de l'art. Il met en place, en fait, les stratégies pour y arriver. Rentrer dans les institutions et, d'ailleurs, en parlant de ça, donc, il nous partage. Rentrer dans l'art des institutions, tu veux dire. Dans le lard, oui, tout à fait. Ouais, donc, il nous partage un peu, justement, son rapport aux institutions, les musées, et puis il nous partage aussi un peu sa vision de, pour lui, en quoi les artistes sont instrumentalisés politiquement par les institutions. Mais complètement, c'est quelque chose, enfin, c'est un statu quo qui dure depuis très longtemps, en fait, ce qu'on appelle l'art contemporain, qui est déjà, comme il dit, disparu depuis très longtemps. On entre dans une nouvelle ère, une ère des multivers, de la crypto-monnaie, des NFT, et donc ce sont des choses qui sont méta, quoi. Voilà. Ouais, bah c'est vertigineux, hein. C'est vertigineux, et il en parle très bien d'ailleurs. On revient également sur sa définition de l'art promotionnel, qui est au cœur de sa démarche. Tout à fait. Ainsi que sur son projet, la Harmony, une sorte de crypto-monnaie
dont lui seul a le secret. Ouais, il a démarré déjà l'affaire, normalement, c'est à l'affaire imprimée par, officiellement, voilà. Ouais. Des vrais billets, et ça va devenir une crypto. C'est un passage un petit peu technique. Oui. Mais, on s'en excuse à l'avance, mais vous allez certainement apprendre des choses. Ouais, carrément. Et puis, si vous êtes à fond dans les cryptos, vous allez vous régaler. Et puis, pour finir, il nous raconte l'opération John Hammond, une vaste opération menée par la mairie de Paris. Bah ouais, parce qu'ils ont décidé de faire, un petit peu la chasse et la guerre, Non, on n'en dit pas plus, on vous laisse découvrir notre discussion avec John Hammond. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. On est dans l'appart de John Hammond là, les gars. Enfin oui, enfin non, quoi. Mais on va pas donner de détails. Ok, bon. Bienvenue sur Sens Créatif. Eh bien, merci de me recevoir. Chez toi. Mais merci de m'accueillir, disons, dans le podcast. Ça, pour situer le contexte, on est simplement dans un appart. Voilà. Bon, pour qui habite en région parisienne, c'est un petit peu difficile de passer à côté de toi. Ouais. Tout le monde t'a déjà vu. Plus ou moins. Mais ouais. Voilà, on sait pas trop qui tu es. Et donc, on est très content de pouvoir lever le voile un tout petit peu avec toi aujourd'hui. Ok, bah c'est avec plaisir que je vais essayer de répondre à vos questions. Est-ce que techniquement vous n'avez pas un autre truc parce que j'ai pas le. Mais vas-y, allez. C'est est-ce parti. Que tu peux, pour les personnes qui te connaissent pas encore, enfin, je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Alors, je m'appelle John Hammond. Ouais, sans surprise. Sans surprise. Enfin, si, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens quand même qui pensent que c'est un pseudo. Ah oui. Ouais, je me suis demandé si c'était un blaze. C'est pas un pseudo. Donc. C'est ton vrai nom. Ouais, je m'appelle. C'est vraiment. Jonathan. Non, même pas. Il me catégorise dans les Jonathan. Voilà, ça y est. Il attaque d'entrée. John, tout simplement. Et donc, je suis artiste depuis maintenant quand même. J'ai commencé. Alors bon, les gens savent pas trop ce que j'ai fait au départ, mais j'ai commencé, ouais, vers 98 à faire un peu de peinture, un peu de sculpture. Et je commençais aussi à faire un peu de gravure dans la rue, tout ça. De gravure? Oui, j'ai commencé. Bon, je le rentre pas vraiment dans le projet, mais c'est vrai que j'ai commencé à graver mes initiales sur des murs. Donc c'est un peu le début vraiment de ce projet qui a commencé un peu. Bon, je pense un peu comme je le rentre pas dans le projet parce que c'est vrai que à cet âge-là, il y a quand même pas mal de gens qui font des petits graffitis, tu vois, au lycée, ce genre de choses, sur ton cartable ou enfin pas ton cartable, mais ton sac à dos ou. Tes groupes préférés ou bisous. Ou puis dans les toilettes, tu vois, ce genre de choses. Donc j'ai commencé, voilà, comme ça, je gravais aussi un peu. Il y avait vraiment cette notion quand même d'ancrer un peu le nom sur les murs. Donc ça c'est vraiment les débuts, ça les gens le savent pas trop. Oui, c'est quoi un petit peu ton parcours, parce que tout le monde connaît un peu ton travail, mais peu de personnes savent un petit peu d'où tu viens. C'est quoi un peu ton parcours et ce qui t'a amené à être la figure que tu es aujourd'hui? Alors le parcours, il est un petit peu chaotique quand même au niveau. Allez, vas-y, on adore ça. À niveau scolaire, je pense, on va pas se mentir. J'étais pas un élève modèle. Je pense que ça, tout le monde l'imagine à peu près. Je me sentais à l'étroit. C'est-à-dire, bon, de toute façon, l'intérieur, ça n'a jamais été mon fort. Dès que même petit, je m'évadais du parc, tu sais, les trucs pour mettre les enfants et tout. Oui. C'est des trucs que j'ai jamais vraiment supporté les limites. Donc si tu veux, l'école à un moment, bon, en fait, je me suis pas senti pouvoir, je me sentais pas apprendre. Voilà, je me sentais pas apprendre. Moi, j'avais un besoin d'apprendre, de découvrir des choses. Et finalement, à l'école, j'avais l'impression qu'on me rabâchait un peu des. Voilà, bon, je grossis un petit peu le trait, mais enfin. Dans l'esprit, je me sentais pas vraiment à l'aise, donc en première, j'ai arrêté. Je suis même pas allé jusqu'au bac. Ah ouais? Ouais, non, ça m'intéressait pas. Et puis, je voyais pas vraiment mon avenir comme ça. Et bon, au-delà de ça, la vérité, c'est que j'avais quand même aussi trouvé ce que je voulais faire. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'avais eu cette révélation aussi artistique à ce moment-là, qui je suis pas parti, tu vois, pour faire n'importe quoi. C'est arrivé comment cette révélation artistique? Bah, c'est dans un cours de, je crois que c'était dans un cours d'histoire ou un cours de français, où à un moment, j'ai une espèce de révélation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Tu vois, j'ai l'impression de perdre mon temps, et donc j'ai dit, mais alors en fait, vas-y. Va t'inscrire aux Beaux-Arts et puis. Et on t'avait présenté un artiste en particulier ou un courant ou quelque chose? Non, pas du tout. C'est venu un petit peu. Je crois avec des copains, on commençait à dessiner. Tu sais, on devait fumer des pétards à cette époque-là et on s'était mis à dessiner, faire des trucs un peu. On s'était fait une soirée un peu. On était partis dans des trucs un peu créatifs. et puis de fil en aiguille, moi, je me suis pris au jeu et j'ai continué un petit peu à faire ça de mon côté.
Et puis voilà, j'ai eu l'impression quand même de pouvoir voilà, d'avoir une sorte de liberté d'expression. Alors pas de liberté parce que je me sentais pas mais j'avais cette opportunité, disons, d'expression via ce que je faisais. Voilà, c'était certainement des petites sculptures, des petits dessins, des j'avais dû un peu aussi essayer la peinture. Et je me suis tellement pris au jeu que je me suis mis dans la cave de chez mes parents et j'ai commencé un peu à utiliser ça comme une sorte d'atelier de fortune. J'ai expérimenté tout un tas de trucs. Et puis, c'est devenu sérieux quand même. C'est-à-dire que, voilà, au point que je me suis dit, bon, bah voilà, t'es à un moment, voilà, quand t'es en première, c'est le moment où tu choisis un petit peu tes études, voilà, tout ça. Et en fait, je savais pas trop quoi faire. Et là, finalement, il y a un truc qui est devenu clair. Et donc, au point que je me suis dit, ça sert à rien d'aller jusqu'à la fin là du cursus. Et donc, faisons directement. Bah, je les ai pris entre bah donc 6 yeux. Et puis, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'arrête. De toute façon, vu que c'était une catastrophe à la base, à un moment, ils se sont pas raté pour rater, autant voilà, aller jusqu'au bout. Ouais, voilà. Donc, ils se sont dit, au moins, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Donc, c'est déjà quand même important parce qu'à cet âge-là, il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent. Et je sais pas la façon dont je leur en ai parlé. Ils sont se dire que, enfin, ils m'ont fait confiance en tout cas, donc j'ai arrêté en plein milieu, donc je me suis inscrit donc aux ateliers de la Grande Chaumière, que vous devez certainement pas connaître, mais que non, les beaux-arts ça me parle, mais ça, mais que les artistes d'un autre temps connaissent, parce que c'est une sorte d'atelier où il y a des modèles qui viennent poser, en fait, et c'est un endroit assez historique à Montparnasse, face du cimetière de Montparnasse. Et t'as étudié quoi pendant ces quelques mois? Eh ben, j'ai étudié le modèle vivant, hein. Donc, il y a des modèles qui viennent toute la journée. En fait, le principe, c'est que tu partages les frais de modèle, parce qu'en fait, tous les gens qui viennent, une sorte de, comment on appelle ça, là, d'amphi. Ouais. Enfin, c'est pas un amphi, mais enfin, je veux dire, il y a des, voilà, une sorte d'amphi où il y a un modèle qui vient au milieu, et en fait, tout le monde donne 2 euros, 3 euros. Et, voilà, ça permet de payer le modèle, les modèles, parce que c'est pas toujours le même. Au long de la journée, puis tu viens, tu pars quand tu veux, tu fais ta vie. La bonne époque. Bah écoute, ouais, en fait, ce qui est sympa, c'est que ce que je regrette pas dans ce parcours en fait artistique, c'est que je suis quand même, les gens le savent pas trop, mais je me suis quand même pas confronté, mais enfin en tout cas je suis passé par ces étapes. Ouais, les phases académiques, ouais, voilà, travailler le dessin, voilà. Je suis passé par les phases académiques, je connais quand même un petit peu. T'as pas fait du conceptuel tout de ouais, suite, je suis quoi, pas voilà. Allé tout de suite sur le, je suis pas, même s'il y avait des prémices, tu vois, dans ce que je faisais, je suis quand même passé par. C'était quoi les prémices? Bah je te dis, je faisais des pochoirs, je gravais un petit peu mon nom, je faisais des petits graffitis, je faisais de la peinture, je faisais, tu vois, je suis passé quand même par des phases qui n'étaient pas mais c'était un instinct. Si radical. C'était un instinct, tu conscientisais pas à ce moment-là? Ah bah non, je te dis, j'ai commencé assez vite, hein, si tu veux, à me poser des questions. J'ai commencé à me poser des questions, en fait, très vite. C'est quand tu commences à avoir une production, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Et c'est ces questions-là qui m'ont emmené réellement très vite à la question de la promotion qu'on abordera peut-être après. Mais en fait, quand tu commences à avoir une production, quand t'es artiste, je pense qu'à un moment... Oui, comment tu le montrer? Tu te poses la question de qu'est-ce que... Voilà, surtout quand j'étais au fond d'une cave et... bon... tout ce que je faisais était au fond d'une cave. Donc à un moment, c'est là où j'ai commencé à avoir des, où j'ai commencé à expérimenter des choses liées à la rue, parce que voilà, j'avais certainement un besoin de sortir de cette cave aussi. Et j'ai commencé, voilà, je te dis, à faire des pochoirs, des dessins dans la rue. Mais on était toujours encore dans des phases d'expérimentation. Donc ça n'a pas abouti à des choses que je montre aujourd'hui, même si ça fait partie de ton œuvre, de ce que je suis. Non, mais de ce que je suis. Alors de mon œuvre, je sais pas, parce qu'il en reste pas grand chose. Mais enfin, en tout cas, c'est voilà, ça fait partie de mon histoire artistique. Et t'avais des inspirations, tu sais, du genre, je sais que t'as pioché dans la culture graphe, dans la pop culture, dans les affiches publicitaires, politiques. C'est un peu quoi les milestones que tu t'es dit, punaise, mais ça défonce, j'ai trop envie de faire un truc comme ça. Bah c'est vrai que moi, je suis parti quand même d'une génération qui a été influencée par le graffiti, parce que bon, en termes de génération, je suis un peu plus jeune. Je vais avoir 40 ans là, donc je suis pas parti de cette génération qui a connu l'émergence du graffiti. Donc ouais, ils ont 10-15 ans de plus, quoi. Ouais, voilà. Donc moi, je me sentais pas, ça m'intéressait. Je l'ai vu arriver, mais bon, moi je voyais des jeunes avec leurs bombers, avec des bombes dans les blousons. J'avais
dans le métro, j'avais je les regardais de haut, c'est tu veux, j'avais peut-être 7-8 ans, pour moi c'était pas un truc, tu vois, je regardais ça avec intérêt, mais je veux dire, c'était pas un truc dans lequel je me sentais, enfin j'en faisais pas partie, donc et puis j'ai jamais vraiment voulu rentrer dans ce dans cette mouvance-là, ça m'intéressait comme ça, mais c'était pas enfin ça fait pas partie de mon histoire. Après, alors effectivement, tout ce qui est lié à la répétition, à la diffusion. L'idée du nom, certainement, un peu aussi, parce que, bon, moi, j'utilise mon vrai nom, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'idée, dans le graffiti, il y a quand même l'idée... Oui, tu poses ton blaze partout. Poser son blaze partout, donc forcément, voilà. Après, c'était pas l'essentiel de mon... Moi, j'étais quand même aussi très concerné par l'histoire de l'art, et très intéressé par l'histoire de l'art, hein, classique. Donc, je suis vraiment passé par des phases d'apprentissage et de lecture assez intense, hein, au point de même apprendre tous les mouvements de l'histoire de l'art. Donc, carrément, je sais que t'es fan de Marcel Duchamp, notamment. Alors, ça fait partie des... Alors, j'en suis pas encore là dans la démarche, dans l'histoire, mais parce qu'il y a eu une phase plus classique, encore une fois, avant d'arriver à Duchamp, mais effectivement, ça fait partie forcément des influences quand j'ai commencé à passer aux choses sérieuses, disons. Duchamp, c'est après que c'est après la phase, disons, histoire de l'art classique, parce que je suis passé par une phase, disons, d'apprentissage et de digestion de l'histoire de l'art classique. Ouais, moi je me souviens, c'était génial en art appliqué ou même aux beaux-arts, justement, enfin d'étudier l'histoire de l'art, parce que tu te rends compte en fait du poids historique de ceux qui sont passés avant, quoi. C'est hyper vital, quoi. Ça, c'est un truc qu'on oublie certainement un peu vite, c'est qu'il y a quand même eu des choses avant nous, et que tu peux pas te lever un matin et te dire bon bah salut, il y a des grands génies, tu vois, comme ça qui tu vois, mais quand même à un moment il y a une phase, je pense. C'est bien de savoir. Ouais, c'est bien de savoir, c'est bien de se rendre compte aussi du niveau, parce que tu peux pas non plus. Enfin, c'est assez prétentieux d'arriver là-dedans et de se dire allez, salut les copains, je vais faire mon truc. Il faut aussi avoir une sorte de connaissance, je pense, que c'est une forme de respect, je pense, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé surtout, mais en même temps de pas se sentir, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent freinés par ça et qui mettent ça un peu trop sur un piédestal. C'est le cas de on abordera ça peut-être après, mais c'est le cas des institutions, voilà, qui pensent que tout ça est on parlera de l'art contemporain, voilà, après. Et donc en fait c'est très difficile de, voilà, tu vois, pour eux tu passes tout de suite pour prétentieux si tu veux essayer de faire d'instaurer quelque chose de nouveau. Ouais. Mais au début tu voulais t'inscrire dans un mouvement en particulier, ou tu t'es dit moi je me vois bien dans cette famille? Ah non, moi je voulais m'inscrire alors ce qui est sûr depuis le début, c'est que je voulais faire partie de l'histoire de l'art. Enfin, je suis très honnête sur cette question-là. Je voulais vraiment... Ah, c'est bold. Ouais, grave. Non, c'est mais c'est vraiment je voulais m'inscrire dedans, faire partie de cette histoire de, voilà, de cette espèce de famille des artistes, parce que pour moi l'art c'est quand même quelque chose qui se joue sur plusieurs générations, c'est des échanges, un dialogue entre artistes de plusieurs générations, on peut même remonter, voilà, même jusqu'aux grottes, tu vois, est-ce qui s'est passé dans les grottes de Lascaux ou autre, en fait, il y a une espèce d'échange comme ça où on retrouve des liens, parce que je veux dire entre les grottes de Lascaux et graffiti. Je vais pas comparer avec le graffiti parce que c'est différent, mais enfin, je veux dire sur le rapport en tout cas à la surface murale, disons, il y a quand même des liens. Et puis même maintenant, enfin, je veux dire avec toute cette phase aussi de il y a eu toute une époque où le dessin a été simplifié. Je veux dire, bon, eux l'ont peut-être pas fait dans ce pour les mêmes raisons, mais enfin, en tout cas, il y a cette espèce de connexion entre le passé et aujourd'hui, et puis certainement aussi le futur, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que après tu passes c'est comme un relais, enfin là c'est comme un relais que tu, ouais, des gens viendront après toi, quoi, que tu transmets, voilà, entre... Oui, peut-être dans les cahiers d'histoire de l'art, dans quelques années, il y aura genre John Hamon, ce serait bien, c'est encore une phase, enfin tout ça 90, c'est encore de la promotion, c'est-à-dire que, en fait, les livres d'histoire, c'est une forme aussi promotionnelle pour les artistes. Bon, carrément. Tout ça, ça fait partie d'une chose. Bon, alors bon, effectivement, il y a cette lecture-là, mais il y a aussi, il y a la lecture des artistes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important de faire partie de cette histoire-là. Tu sais, quand t'es jeune et que tu veux t'inscrire dans quelque chose, en tout cas, Alors, on reviendra à l'art promotionnel, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Et alors, je sais que tu l'as déjà raconté cette histoire des tonnes de fois, mais pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le origin story de ton visuel, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment est né, avant de rentrer dans le steak, c'est quoi la big idea? Voilà, c'est ça. C'est bon. Alors, ça se joue à cette période, en fait, hein, quand je si, si
si vous nous écoutez et que vous connaissez pas John Amon, vous tapez sur Google. Oui, voilà, vous allez voilà, voir. Mettez le podcast sur pause, vous voyez le visuel. Remettez sur play, c'est parti. C'est parti. Donc, en gros. Ça s'est joué à la même époque que le moment où j'ai donc arrêté le lycée, pour me consacrer, essentiellement à l'art. Ouais. Et donc, à cette époque-là, on s'était amusé pour une journée qui était consacrée à la photo d'identité des élèves. On s'était amusé en fait à mettre les lunettes en fait d'un de nos camarades. Et en fait, on a tous les lunettes de cette personne qui était un de nos amis à l'époque. On a tous en fait dans cette photo d'identité, on a tous les lunettes de cette personne. Donc en fait, on a été un peu en train de s'amuser avec les copains et on était hyper, tu vois, on était hyper jovial. C'est pour ça que j'ai un sourire un peu. C'est pour ça que j'ai un sourire sur cette photo. Il est incroyable ce sourire, il est énigmatique. Voilà, c'est pour ça que je souris déjà sur cette photo. Il y a qu'une photo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plusieurs prises. Il y a qu'une prise. Et wow. Puis en fait, il y a en fait un photographe qui fait la photo et qui en fait essaie de recadrer en fait l'attitude quand même hyper, on était en train de déconner. Chacun passait, chacun son tour devant lui. Mais il a accepté que vous mettiez tous le même. Et ça, je sais même pas s'il a compris, en fait. Ah, d'accord. Parce que lui, il était dans son studio photo qu'il avait organisé pour produire ses photos. Ouais, c'est ça, il prenait les photos. Et en fait, bon, il avait son éclairage, son appareil, et chacun passait son tour. Et nous, bon, tu sais comment ça se passe dans ces moments-là, quand t'es au lycée, bon, tu sais, c'est pas le cours d'histoire, quoi. Toi, t'es en train de, enfin, surtout moi, j'étais en train de rigoler avec mes copains, tu vois. Donc, dans cette rigolade, on s'est amusé à tous mettre cette paire de lunettes. Donc, forcément, on rigolait encore plus. Et en fait, ce qui se passe dans l'image, si tu veux, si je dois un peu la décortiquer, c'est qu'il y a ce paradoxe entre le fait que nous, on est en train de s'amuser et le photographe qui essaye de, et qui lui, bon, est un pro, tu vois, qui te fait une photo, tu vois, il nous fait poser, redresse-toi, lève la tête, tu vois. Donc moi, je suis en même temps, j'ai ce sourire aux lèvres et en même temps, il fait une photo qui est très propre, voilà, pellicule, machin, tout ça. Donc la photo, elle est nickel. Ouais, c'est la magie des paramètres. C'est une espèce de contraste entre voilà l'attitude, la pose, qui fait qu'à un moment on a cette photo qui sort et qui, bon, moi quand je la reçois, parce que tu sais il y a toujours un temps, ouais, où tu reçois tes photos, je sais pas, tu dois donner 5-10 euros, oui, à l'école, ça, ouais, pour, ouais, recevoir. Grosse minute nostalgie là. Cette, voilà, histoire, ouais, est incroyable. On est tous plus ou moins passés par. Je sais pas si c'est dans toutes les écoles comme ça, hein, je sais pas trop, mais enfin en tout cas nous c'était comme ça. Et donc tu reçois alors une photo un peu à 5 et 4 petites photos, ouais, d'identité. C'est le genre de, voilà, c'est parce que quand t'es à cette époque-là, t'as toujours besoin de faire une carte d'identité, ouais, quelque, ouais, chose et tout. Alors, ouais, puis ça marque le coup, truc, voilà. Voilà, et puis même pour toi, je sais pas, ça doit être un souvenir pour voilà. Bon, là en l'occurrence ça fonctionne plutôt bien, parce qu'en termes de souvenirs, je pense que là c'est disons gravé dans le marbre, parce que j'en ai même fait mon voilà. Pour le coup, mais, oui. Mais sur le moment, bon, j'étais déjà en train de faire de l'art à cette époque, mais j'avais pas encore cette idée. Je sais simplement que quand j'ai reçu la photo, il s'est passé quelque chose, tu vois, on m'a donné mon enveloppe, bon tiens voilà, c'est ta photo, voilà, j'ai ouvert le truc, je suis là, c'est quoi cette, j'ai eu une sorte de révélation face à l'image, alors qu'il se passait rien pour l'instant. C'est pas, j'ai eu une révélation et j'ai enclenché quelque chose avec cette image. C'est-à-dire qu'il y a eu une révélation, mais qui était comme s'il allait se passer quelque chose autour de cette image, mais dont j'avais pas encore vraiment conscience. Intéressant. Donc c'est un peu aussi la magie de ce projet. Et bon, les choses sont allées. Alors je sais pas, je crois que j'ai dû arrêter cette année. Ça doit être l'année où j'ai arrêté. Je me souviens plus les dates exactement, mais ça doit être l'année où j'ai arrêté en cours. Je sais pas, j'ai peut-être fait la photo en septembre, octobre, enfin octobre, novembre, et puis j'ai arrêté en janvier. Et donc après, voilà, je suis passé par cette phase dont je vous ai un petit peu raconté les tenants et les aboutissants concernant les ateliers de la Grande Chaumière. Et ensuite, alors voilà, le passage ensuite, vraiment, pour être très précis... À quel moment tu te dis, vas-y, je vais en faire quelque chose? Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que bon, je vous ai dit que j'arrêtais en première, donc je suis pas allé jusqu'au bac. Et pour aller au Beaux-Arts, tu dois avoir le bac. Ah oui. Enfin, tu dois avoir le bac, donc je me renseigne et en fait, je me rends compte que tu peux en fait faire une année de prépa dans une. Tu vois, il y a pas mal de préparation aux écoles d'art ici. Tu peux faire une année de prépa qui peut être considérée en fait, qui peut te donner une équivalence baccalauréat pour pouvoir avoir une dérogation. Pour pouvoir entrer aux Beaux-Arts. Donc ça, c'est possible, je m'étais renseigné. Et donc, c'est ce que je fais. Je m'inscris dans une petite école
à Place d'Italie. Je m'inscris dans une petite école qui était un petit peu pareil, c'est pareil, il y avait différents alors il y avait des cours d'histoire d'art contemporain, il y avait pareil du modèle vivant. Et il y avait certainement des moments d'ateliers plutôt libres, tu vois, où tu pouvais produire un peu des choses. Ah oui, et il y a de la photo, parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre à révéler les photos, tirer les photos, développer les photos en fait je suis pas devenu un expert dans la matière, mais enfin en tout cas j'ai un peu pratiqué ça et ça m'a un peu certainement servi au moment, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Bon, je grille pas les étapes, mais enfin, en gros, pour faire simple, là, je commence une année de préparation avant d'entrer aux Beaux-Arts, et c'est là, en fait, que j'ai c'est là que j'ai la révélation, parce que dans les cours d'art contemporain, je me confronte à ce à quoi je m'étais pas confronté quand j'étais, livré à moi-même, c'est-à-dire que je m'étais quand même plutôt axé sur l'art entre guillemets classique. Et là, j'abordais pas pour la première fois, parce que j'avais un peu quand même des notions, mais j'abordais sérieusement quand même la question de l'art dit contemporain. Alors, oui, tu mets des gros guillemets. Je mets des gros guillemets parce que beaucoup de gens font cette confusion. Il y a l'art contemporain qui est une période, si tu veux, qui vient après l'art moderne, donc c'est une période de l'histoire de l'art. Et il y a l'art contemporain que je considère plus comme une espèce de un mouvement. Alors non, je le considère pas comme un mouvement, parce que c'est pas justement, c'est une des choses que je reproche, c'est que c'est pas il y a aucun artiste les artistes sont pas réunis pour dire il y a pas une cohérence. On va fonder le mouvement de l'art contemporain. Donc, en ça, c'est en ça que je le rejette en tant qu'artiste. Au-delà de l'aspect historique et de l'aspect c'est une période, voilà. Au-delà de l'aspect période, je le rejette parce que c'est devenu une forme d'idéologie pour moi. Un dogme institutionnel, tu dirais. Je crois qu'on peut dire dans lequel tu te retrouves pas. Alors dans laquelle je me retrouve pas, et puis dans laquelle j'ai pas à me retrouver, parce que c'est pas aux institutions à faire l'art. Si tu veux, l'art c'est le domaine des artistes, c'est mon combat depuis quand même un certain nombre d'années, parce que l'art c'est le domaine des artistes. Et en fait, l'art c'est quand même le lieu où finalement beaucoup de gens viennent se situer, qui sont pas nécessairement des artistes. Alors je leur en veux pas nécessairement, mais il faut quand même remettre les choses à un moment aussi à leur place. C'est-à-dire que il y a beaucoup de professions qui gravitent autour des artistes et autour du monde de l'art. C'est vrai. Je veux pas dénigrer leur rôle, mais c'est quand même un rôle. Ils ont un rôle annexe. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Et en fait, tu te rends compte que surtout quand tu rentres dans le monde institutionnel, parce que bon, les galeries, tout ça, ils ont un travail qui est plutôt lié à la commercialisation de l'art, donc. Tu peux encore, même s'il y a des dérives, tu peux encore dire que ces gens-là sont plutôt... Et puis ça reste un deal. Hein. Voilà, ça reste dans une logique commerciale qu'on connaît. C'est critiquable pour un tas de raisons parfois, mais il n'y a pas forcément d'idéologie qui vient se... Ouais, ce sont des règles plus claires. Hein. Voilà, c'est des règles qui sont quand même plus claires. Alors que dès que tu rentres dans le monde institutionnel, tu te rends compte que là, il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de carriérisme aussi, tu vois, du point de vue des fonctionnaires de la culture qui quand même surtout en France, hein, attention, c'est quand même tu trouverais que c'est un cas un peu français. Ce que je dis, c'est que c'est quand même un cas un peu français, enfin je veux dire, l'administration, on va pas se mentir, hein, Même dire que ça commence des fois un peu dans les écoles aussi. Alors oui, non mais tout ça c'est en fait. Alors c'est pour ça que j'aimerais vraiment préciser ce qui s'est passé même quand j'ai passé les concours des Beaux-Arts avant peut-être d'aborder cette phase-là, parce qu'en fait ça a commencé très tôt, parce que bon, moi j'ai eu cette révélation en fait sur ce projet quand j'étais dans cette moment de préparation. Quand tu parles du projet, c'est quand tu faisais de la photo. Je parle vraiment du projet d'affichage. Hein. D'accord. Parce qu'effectivement projet d'affichage, je fais un petit retour en arrière. Parce que ce projet d'affichage, il est né à cette période où je faisais ma préparation pour les concours aux Beaux-Arts. Ah, c'est un projet de concours, en fait. C'est un projet... c'est pas un projet de concours, c'est-à-dire que moi j'étais dans une phase de développement de ma démarche artistique. Ouais, t'expérimentais à fond. Je m'en suis servi pour, effectivement, passer les entretiens et passer les concours. Mais, en soi, je l'ai pas construit dans cette logique-là. Mmh. Pour moi, j'étais déjà, j'avais trouvé mon projet artistique à ce moment-là. Excellent. Et, à partir du moment où, alors c'était ma grande erreur, certainement, du point de vue des concours, ou alors leur grande erreur en tant qu'école, c'est que je sentais déjà avoir un projet. Alors, ce qui s'est avéré,
pas être très 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 bon pour moi, parce qu'en fait aux Beaux-Arts ils aiment pas que t'aies un projet, c'est-à-dire ils aiment bien te modeler, tu as fait les Beaux-Arts, voilà, ils aiment bien te modeler, te manipuler, et puis bon t'affilier, j'ai envie de dire, parce que parce qu'on connaît les surtout aux Beaux-Arts de Paris, alors t'as tu vois, t'as l'atelier de Tu le fais à la manière de je vais pas citer les noms, hein, mais non, mais ceux qui sont passés par les écoles savent très bien de quoi on parle, voilà, savent très bien, voilà, donc chacun, voilà. Donc, tu dois dire que t'avais déjà un trop fort caractère pour l'époque, ou j'avais déjà une démarche, et en fait j'ai proposé cette démarche quand j'ai passé les concours. J'ai proposé cette démarche qui était balbutiante, hein, parce que c'était quand même le début. Oui, il y a un petit côté naïf aussi, voilà. Qui avait quand même une réalité. J'avais commencé à faire mes premiers affichages. Enfin, voilà, j'étais sorti, j'avais pris mon balai, ma colle, mon saut de colle, j'avais fait faire mes affiches chez les photocopieurs, et j'avais commencé. Enfin voilà, il y avait un truc qui était en train de se, j'avais activé quelque chose, et pour moi, il était naturel de présenter ce que je faisais, tu vois. Alors, bon. Ce qui est génial là-dedans, c'est que j'ai passé la première phase de concours en envoyant des petits dessins. Évidemment, bah oui, quand on va aux Beaux-Arts, c'est pour dessiner, bon sang. Je me suis dit quand même, voilà, j'envoie des petits dessins. Alors en plus, les dessins, c'était vraiment des petits Mickey. C'était des trucs. Non, mais mon dossier de Beaux-Arts, c'était une blague, parce que j'avais fait 10 photocopies de 10 dessins. J'avais mis 3 dessins dedans et j'ai envoyé ça dans une enveloppe sélectionnée pour les entretiens. Avec une enveloppe avec 3 dessins dedans. Et quand j'arrive pour les entretiens, j'arrive avec le projet réel, tu vois, qui était vraiment ce que je faisais à l'époque. Surprise. La campagne d'affichage. Comme quoi, je le sentais un peu, tu vois, qu'ils allaient un peu tiquer sur le projet de base. Et donc là, pataplouf, là, je suis face à une quinzaine de profs, de gens de l'administration des Beaux-Arts de Paris. Enfin, ah, quand même, une quinzaine, c'est impressionnant. Non, mais des gens même connus, qui sont connus aujourd'hui, tu vois, genre des gens comme Fabrice Hibert. Connus dans le milieu un peu de l'art français, disons. Et là, ils crient au génie. Ils disent, vas-y, John. Ah, viens, bah, oui, on t'embrasse. Ouais. Merci, au revoir. Revenez l'année prochaine. donc là, ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas ou ils veulent pas comprendre. Ils comprennent pas ou ils veulent pas comprendre parce qu'ils ont quand même ce, je pense, là, avec le recul aujourd'hui, ils sont bornés, en fait. Ils sont bornés et ils ont quand même une sorte de, une sorte de vision de ce que l'artiste doit être. Et ils vont pas t'encourager. Ouais, voilà. Ils vont te cadrer, et si tu es pas dans le cadre. Et puis ils aiment bien les pâtes à modeler. C'est-à-dire qu'ils aiment bien quand ils voient qu'ils peuvent un peu, tu vois, surtout quand t'es, je veux pas faire de trucs, mais enfin. Allez, vas-y. Non, mais quand t'es une petite nana, tu vois, qui vient toute fraîche. Je l'ai vécu. Hein. Voilà. Je l'ai vécu. Il y a plein d'histoires. Incroyable. Je veux dire, toutes les histoires sortent aujourd'hui. Enfin, après, j'ai fait d'autres. Je suis allé aux Beaux-Arts, pas à Paris, hein, donc je sais les histoires de mes copines avec les profs, avec certains profs des Beaux-Arts. Je les mets pas tous dans la même catégorie, mais enfin, il y a quand même. Les mecs se gênaient pas. Mm. Je pense maintenant ils font un peu plus attention, mais à l'époque ils se gênaient pas pour essayer de. Enfin, combien j'ai eu de copines, moi, qui se lançaient de la peinture sur le corps nu, influencée par je ne sais quel professeur qui voulait la voir se mettre à poil dans son atelier. Bon, ça existe. Je pense que maintenant ça s'est un peu calmé, mais enfin ça existait. Donc forcément, toi, quand t'arrives un petit peu fort de caractère et puis avec ton projet que tu défends, tu vois, c'est normal. Je veux dire, surtout à cet âge-là, t'as un projet, tu t'y crois, tu veux le défendre, bec et ongles. Donc en fait, tu viens et puis t'es un peu, voilà, t'essaies de, voilà. Et puis le projet était déjà quand même, alors je le maîtrisais peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais voilà, les grands axes liés à la promotion étaient déjà là. Et voilà, donc bon, merci, au revoir, bonjour chez vous. Donc tout ça pour revenir, pour refaire, parce que j'ai fait un petit retour en arrière, tout ça pour dire que on est dans un système, si tu veux, on est dans un système, l'art contemporain, c'est un système qui va vraiment de la formation, c'est-à-dire vraiment l'école des Beaux-Arts, jusqu'à, l'institution. Ils ont voulu essayer de créer comme ça, tu vois, avec les fracs, les dracs, les machins, ils ont voulu essayer de créer comme ça un système qui va finalement, alors je sais pas, ils avaient peut-être un doux rêve que ce système allait accompagner les artistes, mais en soi, il y avait un problème de fond qui est, FRAC, par exemple, c'est Fonds Régional d'Art Contemporain. Je veux dire, il faut quand même être un petit peu stupide pour se dire que l'art contemporain va pas à un moment se terminer.
Je veux dire, l'histoire de l'art est faite de mouvements qui finalement à un moment se terminent. Mmh. Donc quand on construit des institutions, parce que je veux dire, la vérité c'est qu'ils ont construit des fracs dans toutes les régions de France pour défendre l'art contemporain qui allait à un moment de toute façon, alors c'est bien beau, mais qui allait quand même à un moment devenir obsolète. Je veux dire, l'art contemporain c'était là c'est en train de se jouer, voilà, ça fait un moment que ça traîne, mais là c'est vraiment en train de se concrétiser, surtout avec le digital, tout ça. Ouais. Bon, enfin, ils ont déjà préparé embrouille. Non, mais ils ont déjà, je vous en parlerai après, mais ils ont déjà préparé une autre ils embrouille. Ils ont tout prévu. Non, mais. Les enfoirés. Ouais. Bah, c'est au niveau politique aussi, hein, ça se joue. J'imagine, bien sûr. Ouais, puis c'est une histoire de contrôle. Tout ça, c'est l'histoire de contrôle. C'est l'histoire de contrôle et comment, en fait, l'État, l'institution va, en fait, finalement, contrôler l'art et contrôler les artistes. Et surtout, contrôler un petit peu ce qu'ils ont à dire. Parce qu'en fait, voilà, il s'est passé des choses aussi dans l'histoire, à des périodes où bon, par exemple, voilà, les artistes étaient très engagés, tu vois, pour... Bon, je pense que c'est aussi leur erreur, hein, à un moment, tu vois, par exemple, avec le communisme, il y a beaucoup d'artistes, tu vois, comme Picasso, tout ça, qui défendaient. Bon, à cette époque-là, bon, les gens y croyaient, bon, désolé pour ceux qui y croient encore, mais les gens croyaient espèce d'idéal qu'on peut, voilà, un petit peu pardonner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu l'histoire pour démontrer que c'était quand même un peu, enfin, en tout cas, que ça aboutissait, peut-être pour des mauvaises raisons aussi, mais enfin, en tout cas, on va pas refaire l'histoire de politique du monde, mais je pense que bon, à partir de ce moment-là, je pense que le pouvoir, toujours un peu méfié des artistes, mais. Ah, c'est toujours quelque chose que t'as voulu questionner, toi. Les institutions, la place de l'artiste dans la cité. Non, mais je veux dire, même à la Renaissance, je veux dire, le pouvoir religieux était le pouvoir qui, enfin, était le vrai pouvoir. L'artiste avait besoin de mécènes. Faut toujours le questionner. Non, mais les artistes étaient sans forcément avoir besoin de, voilà, mais les artistes étaient en lien avec les formes de pouvoir, ont toujours été en lien avec les... On le questionne, mais on en a besoin aussi pour pouvoir continuer. Alors, c'est là où j'ai voulu mettre quand même une rupture. Voilà. J'ai voulu mettre une rupture et en fait en sortir. Et ce que j'essaye de montrer dans ce travail, c'est que tu peux justement exister artistiquement alors, moi je vois ça comme une soumission, sans avoir à te soumettre finalement à une espèce de pouvoir qui n'est pas en lien du tout avec l'art. Et qui est là, on va pas se mentir, uniquement pour le contrôler et pour l'orienter et pour le diriger, et même voire pour s'en servir, parce que, je veux dire, il suffit de voir encore... là, il y a une exposition au Palais de Tokyo, l'appel de la Terre ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est très bien les questions écologiques, mais je veux dire, c'est des questions politiciennes, c'est des questions de politique actuellement, qui sont déjà dans le champ politique, je veux dire, et dans le champ du quotidien, qui n'ont pas forcément besoin d'être dans le champ de l'art. Si c'est dans le, alors, il y a des artistes qui peuvent s'intéresser à ça, c'est très bien, mais à partir du moment où une institution, tu vois, par exemple, comme le Palais de Tokyo, enfin, tu vois, donne cette direction, en fait, ça contraint les artistes à rentrer dans ce moule-là. C'est un biais, quoi. Voilà. Et en fait, finalement, à devenir les illustrateurs, en fait, d'un propos qui ne serait pas forcément le leur. Moi, les questions écologiques m'intéressent beaucoup. C'est pas pour autant que c'est pas ton propos, forcément. C'est pas forcément que c'est mon propos artistique. Ouais. D'ailleurs, ton propos à toi, c'est la promotion qui fait l'artiste, ou le degré zéro de l'art. Ou le degré zéro de l'art. Et donc, en fait, c'est pour montrer que, finalement, même justement, quand tu te targues d'avoir des valeurs, par exemple, écologiques, et que, finalement, tu développes comme ça une espèce de projet lié à l'écologie, il y a toujours, quand même, en arrière-plan, une forme promotionnelle pour l'artiste. Et en fait, qui se sert de quoi ? Tu vois, en fait, c'est la question que je pose, c'est-à-dire que qui sert quoi, en fait ? Est-ce que c'est l'artiste ou l'institution qui se sert de l'écologie pour exister et pour se promouvoir, ou est-ce que finalement c'est l'institution qui sert l'écologie ? Moi, franchement, j'ai pas l'impression c'est un peu que le serpent qui se mord la queue. Non, mais même pas. Non. Pour moi, c'est très clair. J'ai pas l'impression que le Palais de Tokyo sert l'écologie. Pour moi, le Palais de Tokyo se sert de l'écologie. Oui, pour. Enfin, je veux dire, eux, ils ont toute une logique. Profite des enjeux. Évidemment, en plus, eux, ils ont toute une logique de défiscalisation pour les grandes entreprises. C'est-à-dire que quand tu regardes, il suffit d'aller sur la page des sponsors du Palais de Tokyo, tu vas avoir tout un tas de grandes entreprises, de grands groupes qui défiscalisent de l'argent, en fait, tout simplement. Donc c'est du green washing, tu vois. C'est-à-dire que on passe par le biais de l'institution, on organise une espèce de couverture comme ça écologique, et puis derrière
Bah, tout ça est financé par des grands groupes qui veulent se donner une espèce de, tu vois, de bonne image green et qui vont en fait défiscaliser de l'argent au passage, tu vois. Donc qu'à un moment, alors je sais qu'il y a des gens qui voient pas tout ça, donc ou alors qui veulent, tu vois, se dire que c'est bien d'aller dans ces directions-là et qui en fait soit regardent à côté, soit sont pas vraiment concernés par les choses, parce qu'en réalité, la vérité c'est que par exemple dans ces institutions comme le Pay Tokyo, les artistes sont très secondaires et que tout ça ça fait vivre des gens plus ou moins, tu vois, qui finalement vivent sur le un petit peu sur le dos de l'art et sur le dos des artistes et parce c'est que voilà ça, y a c'est des... un peu ça qui te saoule en fait, c'est de rendre l'art aux artistes et d'arrêter de nous utiliser pour servir les propos, c'est ce que je dis à chaque fois. Et puis surtout c'est pas ça, il faut que les artistes aient un rôle plus important au sein des institutions qui sont les institutions de l'art. Quand tu regardes les institutions de l'art, les artistes sont pas du tout impliqués au niveau des choix, je veux dire il y a rien du tout, je veux dire ce sont des fonctionnaires qui donnent qui sont tout ça. Alors Pétoquin un petit peu moins, mais au Centre Pompidou par exemple, alors c'est rigolo, le Centre Pompidou il y a des couleurs, il y a tout ça, mais il y a des œuvres à l'intérieur, mais je veux dire c'est une administration. Quand tu regardes bien, c'est une administration. Et ça, moi, je me suis fait avoir, hein. Genre, j'ai cru que t'allais exposer au Pompidou. Ah oui, pour l'époque, quand j'ai vu les affiches. Ouais. Genre, punaise, chambé et tout. Moi aussi, il m'a fallu 10 minutes. C'est John Hammond. Je me souviens, j'étais genre Laurent. John, il va passer au Pompidou et tout. Faut qu'on aille voir. En fait, je pense que dans ta démarche, t'as une histoire de projet de survie de l'art, et puis tu t'inscris aussi comme un pirate, quoi. Ouais, parce que forcément, pour exister, en fait, le Centre Pompidou, c'est des corsaires, en fait. Tu vois, il y a les pirates et il y a les corsaires. Ils travaillent pour le pouvoir. Nous, on est des pirates. On aborde les bateaux des corsaires. Non, parce qu'en général, c'est plus les corsaires qui défendent les biens. Mais non, mais qui accompagnent en réalité, qui accompagnent les trésors du John Hammond, le vieux pirate. Bah en fait, c'est un peu le voilà, on les détrousse. Enfin, en tout cas, moi, je les détrousse de leur trésor. Leur trésor, c'est quoi? C'est l'art. Mais en fait, l'art, il leur appartient pas. Les trésors, ils les ont détroussés à quelqu'un, si tu veux, parce qu'ils se sont accaparés, si tu veux, le trésor des artistes. Donc en fait, moi, je fais que je sais même pas si finalement le mot pirate. T'es une sorte de Robin des Bois, en fait. La piraterie est une utopie, donc déjà ça te met déjà dans une perspective qui est très particulière, parce qu'elle a pas fonctionné, hein, l'utopie pirate. Elle a échoué, ouais. Mais c'était un très très beau projet, quoi. Non, mais après l'idée c'est de reprendre quand même ce qui, parce que bon, voilà, le pirate c'est pour rigoler, je veux dire. Je me sens pas, mais ton accent, c'est une action de voilà, tu pirates, c'est une action de piratage. Alors il y a l'idée, voilà, pour être plus sérieux, il y a l'idée de reprendre en fait le pouvoir. Donc si effectivement le trésor c'est le pouvoir, ou là effectivement il y a l'idée de reprendre le pouvoir en tant qu'artiste. En fait c'est simple, moi ce que je refuse c'est de dire bon voilà, c'est un directeur d'exposition ou d'institution qui à un moment décide de finalement qui est artiste ou pas, qui a le droit d'exposer ou pas. Bon, en tant qu'artiste, ça je refuse catégoriquement cet aspect-là, même si bon, il faut toujours une forme d'organisation dans ce genre de choses. Je remets pas tout ça en question en bloc, mais je veux dire, il y a quand même des choses qui se passent actuellement artistiquement que à un moment les institutions ne peuvent plus ignorer. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment, quand elles ignorent ce qui se passe depuis, enfin, je veux dire, je suis actif. Tu penses à quoi? Je pense à ce que je fais, par exemple. C'est-à-dire que je suis actif en tant qu'artiste depuis 20 ans. Je veux dire, quand tu regardes vraiment, t'es inloupable. Comment elles ont pas? C'est même pas ça. C'est en toute humilité. Hein. C'est vraiment factuel. C'est-à-dire quand tu regardes un petit peu les artistes qui sont de mon époque, on n'est pas des milliers, tu vois. Et à un moment, de toute façon, il y a quand même, chaque génération a ses artistes et chaque génération va faire émerger des artistes que l'institution le veuille ou non. Ça passera pas par elle, peut-être, mais ça, les artistes émergent. Oui, on va pas les attendre pour se mettre en avant. Voilà, les artistes émergent d'une manière ou d'une autre. À un moment, les artistes qui sont là sont les artistes qui sont là. Ils plaisent pas, peu importe. C'est voilà. Moi, je considère que je fais partie du paysage, donc artistique, et que de ce fait je peux participer à la vie culturelle, institutionnelle de mon pays. Moi, je remets pas en question le, ou alors il faut remettre en question toute la société, parce que ou alors il faut s'exclure de la société. Moi, je l'accepte, la société. Donc à un moment, la société doit aussi c'est un échange, elle doit aussi nous accepter. Et elle doit, surtout quand il y a, normalement on nous dit qu'il y a une place, si tu veux. Oui. Parce que c'est pas comme si on, tu vois, il est censé y avoir une place. Alors la place, elle est
Elle est là sans être là. Elle est là sans être là. Et puis tu vois qu'il y a des gens. Ta place, tu l'as prise. T'as pas attendu qu'on t'ouvre le. À force que voilà, parce que c'est le rôle aussi de. Parce que si ces gens sont là pour justement organiser. Parce que par exemple, le Centre Pompidou, c'est pas le Palais Tokyo. Le Centre Pompidou a une mission de service public. Ils doivent rendre visible et accompagner l'art contemporain sous toutes ses formes. Ouais, ils doivent accompagner et rendre visible l'art contemporain sous toutes ses formes. Bon, il me semble que je remets en question l'art contemporain, il me semble que je fais partie de l'art aujourd'hui. Donc normalement, voilà, des échanges, un dialogue devrait se créer, et c'est pas faute d'avoir essayé. Parce que par exemple, pour l'exposition du Centre Pompidou, je les ai pas pris au dépourvu, hein. Il y a eu deux ans de... Tu leur as fait des courriers. Ah, il y a eu deux ans, j'ai présenté un projet. T'aurais vraiment voulu une rétrospective ou quelque chose? Pas nécessairement une rétrospective, mais enfin, en tout cas, une forme de dialogue constructif. Parce que, ma reconnaissance, elle est pas, comment dire, ils sont pas dépositaires de ma reconnaissance. Donc, en soi, c'est pas en ça. C'est pour le symbole, en fait. C'est pour le symbole. La remise en question. De ce que ça représente, de la société. Ouais, de pas être complètement ignoré. Donc, pendant deux ans, t'as été en contact avec eux. Ouais. J'ai envoyé des projets, tout ça. Alors, on m'a dit qu'on allait me répondre pendant longtemps. Parce qu'ils sont quand même, un minimum. Pas non plus, qui sont dit pendant très longtemps qu'ils allaient me répondre. Mais c'est comme ça avec beaucoup d'administrations. C'est-à-dire qu'ils sont très polis au début. Ils font comme si tout se passait très bien, qu'ils ont, voilà, ils respectent Puis en fait, quand t'arrives sur le truc sérieux où il faut se décider, il faut prendre des décisions, il faut que les choses avancent, il faut que. Là, on organise des choses. Personne. Là, il y a plus personne. Et puis d'un coup, espèce de, tu vois, de distance qui s'opère, on te répond. Je passe sous un tunnel, John. Hein? Voilà. Donc, voilà. Et en fait, tout ça pour, en fait, te pousser. Alors, je sais pas si c'est naturel ou pas, mais tout ça commence un peu à te tendre. Tu vois, on a tous été face à des administrations qui. Dites-moi non, quoi. Ouais. Et puis finalement, bon, on s'énerve un peu, tu vois. Et en fait, d'un coup, vous voyez, vous vous énervez. Voyez. Non, mais attendez, ça fait deux ans que tu réponds pas, que j'essaie de te contacter. Je suis patient. À un moment, oui. Tu vois, et donc après, et ça, ils en profitent en général pour te trouver une justification pour continuer à t'ignorer. Ça trompe personne. Je veux dire, on connaît tous l'administration française. Donc en fait, moi, je m'énerve même plus en plus parce que je connais le piège. Tu vois, je sais que quand tu t'énerves, ils attendent que ça pour justement t'ignorer. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, en fait, dès que ça, te raccroches au nez, non. Mais... Et donc en fait, bon, voilà, t'es face à un mur, t'es face à quelque chose qui ne te considère pas du tout, même se moque de toi parce que. Souvent, on s'est moqué de moi, en fait, tout simplement. Dans les administrations, tu veux? Ouais, dans les administrations. Ouais, bon, non, mais tu vois, on se moque de toi. C'est Johnny dans les rues. Tu as des trucs un peu, tu vois, c'est vraiment. Et même on m'insulte, hein. Il y a déjà vraiment des. Mais comment ça? Je me suis fait insulter par des gens de. Je sais pas qui ils sont exactement, j'ai, par exemple, je m'étais fait retirer. Une de mes offres que j'avais mis sur un panneau, j'avais donc appelé, en fait il y avait Banksy qui avait fait un pochoir et c'était la première fois qu'il venait à Paris, donc j'avais posé une œuvre à côté, voilà, établir une sorte de dialogue avec le, sûr, voilà, bah le oui, fait oui, qu'il venait à Paris, ça avait du sens, voilà, c'était à côté du Centre Pompidou. C'est du dialogue de rue. C'est du dialogue de rue, non, mais qui se passe souvent. T'as inconnu, de là, ah non, c'est vrai, c'est ça. Voilà, ouais, voilà, en général, en général, à part certains qui font du pixel, certains artistes apprécient ça. En tout cas, ça les dérange pas. Bref, ça pour dire que bon, alors à ce moment-là, le Centre Pompidou a pris la décision en fait de protéger ce qu'il avait fait. Donc ils ont mis une sorte de plexiglas sur. C'est un panneau en fait, c'est le panneau où il y a écrit parking en fait. C'est le panneau du parking en fait du Centre Pompidou. Et donc ils ont mis un plexiglas. Sauf que pour mettre le plexiglas, ils ont fait sauter mon œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment, les enfants, vous êtes sympas, mais c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Tu t'es fait insulter. Alors moi j'ai appelé. Non, mais j'ai appelé tout simplement, mais gentiment. Hein, j'ai dit, je suis prêt à savoir qui a pris cette décision et qu'est-ce qui a motivé cette décision de protéger une œuvre et pas l'autre. J'aimerais juste comprendre. C'est une super bonne question. Oui. Non, mais c'était un peu candide comme ça. Ah, mais complètement candide. Et c'est très très simple. Et là, je suis tombé sur un malade, mais qui m'a insulté. Il m'a insulté, espèce de connard, un mec du Centre Pompidou, hein, du Centre Pompidou, vraiment un mec vraiment, je dirais pas important, mais enfin en tout cas un mec qui un décisionnaire, voilà, un décisionnaire ouais. du voilà, au point que je dis ok d'accord si c'est comme ça. Non mais je vais poser une autre œuvre sur votre vitre, tu vois, on va continuer l'échange si tu veux, on va continuer l'échange si tu veux, y a pas de problème. Et là je sais pas ce qui se passe.
Et là, je sais pas ce qui se passe. La directrice m'envoie un email, ou je sais pas ce qui se passe. C'est, alors, elle s'appelle, que je donne son nom, parce que j'aime bien quand même citer les noms des... On va l'appeler Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, directrice du Centre Pompidou. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça me reviendra. Ah oui, Julie Narbet, je crois. Oui, Narbet. Ouais, oh, ça. Allez. On te passe le bonjour. M'envoie un email pour me dire, oh oui, non, mais ce n'est pas de la censure. Ce n'est pas du tout de la censure. C'est de l'entretien. Ah oui, donc vous avez considéré que ce que je faisais, c'était un détritus et qu'il fallait le mettre à la poubelle. Eh ben écoutez, je vois que vous avez le sens de la formule. me dit non, mais vous c'est savez, parce que je voulais dire au Centre Pompidou, nous serions très heureux d'établir un dialogue. Enfin, je veux dire avec un dialogue de sourds. Avec votre voilà. Donc moi je la prends très au mot, tu vois. Je dis bon bah d'accord, donnez-moi l'adresse. Je vais m'envoyer un projet, tu vois. Je vais vous envoyer un projet pour voilà avec. Parce que moi depuis longtemps j'ai cette idée de faire une exposition John Hammond au Centre Pompidou. Donc, bah oui, ce serait trop donc, bien. Là j'en profite pour me dire allez c'est le moment en plus de l'emmener, tu vois. Alors qu'elle me le propose si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros alors bah oui. Pas de faire une exposition John Hammond, mais elle me dit on peut voilà. Donc moi je la prends au mot. J'ai presque le projet qui est déjà prêt. Bon je vais un peu vite dans le truc. Je t'emballe. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'écris une lettre, voilà, qui expose un peu le truc, mais le truc est assez clair et assez ouvert, en fait. Je dis pas, je vais faire une rétrospective de John Hammond dans le Centre Pompidou, c'est pas ça, tu vois. Je crois que même je lui dis, on peut mettre un portrait dans les toilettes, déjà, symboliquement, pour moi, ça me va, c'est symbolique. C'est une entrée, tu vois. Quoi, ouais. Non, mais c'est symbolique. Et là, alors, elle me répond même pas, c'est-à-dire qu'elle me donne même pas l'adresse à laquelle il faut envoyer l'email. C'est-à-dire qu'elle me répond même plus. C'est-à-dire qu'elle me donne même pas l'adresse. Alors. Tu te fais ghoster. Alors, ghoster par la directrice. Donc moi je fais mes petites recherches et tout, je regarde parce qu'il y a un protocole quand même. Je te dis ils ont une mission, ils peuvent pas comme ça non plus t'ignorer. Donc parce qu'ils ont une mission en réalité. Alors qui ne respectent absolument pas, mais au point même qui te censurent et même qui te plagient. Parce que la vérité c'est qu'ils sont il y a plusieurs histoires avant que je mette en place l'exposition Centre Pompidou, c'est que moi j'ai fait une fausse exposition Pompidou, hein, on précise. Ah non, c'est pas une fausse exposition, c'est une vraie exposition. Enfin, je veux dire, quand tu regarderas ça, moi je prépare un livre où il y aura toutes les expositions que j'ai faites. D'accord. Exposition au Louvre, exposition au Centre Pompidou. Je veux dire, j'ai exposé au Centre Pompidou. Après, je veux dire, l'histoire se moquera complètement du fait que le directeur ne m'ait pas donné l'autorisation. Je veux dire, là, aujourd'hui, on regarde ça, on se dit que bon, j'ai pas eu l'autorisation pour le faire. Mais je veux dire, l'histoire de l'art et même même les gens, s'en moque un petit peu du fait que, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, voilà, l'exposition au Centre Pompidou, elle est en cours. Parce que celle-là, de toute façon, je l'ai prévue sur Milan, donc elle a le temps de... Mais concrètement, ce qui est exposé pour Milan au Centre Pompidou, parce que moi, j'avais vu les affiches, j'ai vu un petit peu les mises en situation, mais c'est... C'est quoi qui est exposé? Le gros de l'action, quand même, c'est quand même la projection qui a eu lieu sur projection du portrait, ouais, sur le Centre Pompidou. Voilà. De toute façon, dans ce que je fais... Ah oui, pardon, c'est les affiches, en fait. Ouais, oui. Quand j'opère, en fait, je fais toujours campagne d'affichage. Je me fais avoir par le, par le processus. Campagne d'affichage, projection, réalité augmentée, c'est-à-dire que exactement. tu peux voir les... Voilà, ça, c'est ce que j'avais fait au Louvre. Il y a aussi ça au Centre Pompidou. Bon, je peux pas encore trop communiquer dessus, mais c'est... Voilà, j'ai 1000 ans pour le faire, donc ça va venir. Ça devrait le faire. Ça va venir. Et puis... Ce qui est intéressant aussi, où là, bon, pour l'instant, c'est pas vraiment, je le montre pas trop, mais c'est tous les échanges que j'ai, moi, avec l'administration. Parce que j'ai des échanges quand ça même, sera j'ai dans des le bouquin, phrases, il y a des trucs, il y a des machins, donc il y a des trucs. Il y a aussi le fait que la sécurité essaye de me frapper, tu vois, au moment où je veux faire la projection. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité qui vient, je tombe sur deux vigiles un peu vindicatifs. La projection, tu viens avec un gros projecteur et tu projettes. C'est ça, ouais. J'ai un camion, t'as le projecteur dessus. Donc là, au Centre Pompidou, je viens à 6 heures du matin. Et là, les deux vigiles qui me tombent dessus, qui essayent un peu de m'impressionner, parce qu'ils font toujours ça au Palais de Tokyo, ils essayent toujours un peu de t'impressionner. Ouais, ils essayent de... Mais c'est ça, Louis Vuitton, c'est pareil. Vous voulez voir la vidéo, elle est sur Internet. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, ils m'envoient des espèces de brigades du Tigre, là, qui viennent essayer de t'impressionner, mais tu sais, physiquement, tu vois. Parce que bon, moi, je suis pas un gros gabarit, tu vois, bon, voilà. Et là, si j'ai pas mon téléphone, il sort du matin, il y a personne. Si j'ai pas mon téléphone, je filme pas. Il y a pas de trace. Non, mais les mecs, je sens qu'ils sont, ils sont à deux doigts de m'en mettre une. Bon, ils ont vu, je suis quand même pas du genre à me laisser faire et tout, donc ils ont vu quand même qu'il fallait pas aller trop loin, et puis que je les filmais surtout parce que j'ai la vidéo, je l'ai toujours pas sorti, mais j'ai la vidéo.
Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie des choses. Ça, ça fait partie de l'exposition. Et puis de toute façon, s'exposer, tu vois, et s'exposer, c'est pas, c'est, ça peut aussi s'exposer à, tu vois, s'exposer à quelqu'un. Ah, tu vois, c'est oui, pas que exposer un tableau dans un truc. Et en fait, là, concrètement, il y a aussi finalement dans la façon dont le Centre Pompidou réagit, il y a finalement, je m'expose à eux finalement plutôt que d'exposer dans le Centre Pompidou. Donc tout ça, ça fait partie en fait d'un. Alors effectivement, c'est pas une exposition du 1er juin au 1er juillet. J'aime trop l'affiche, on dirait une vraie de ouais. Ouf quoi. Genre bah, je reprends toujours un peu l'identité, voilà. Alors ça avait donné lieu à des trucs rigolos au Pet Tokyo parce que j'avais dû appeler le graphiste et tout, me faisant passer pour un étudiant en graphisme. Ah ouais, j'adore l'identité que vous avez faite pour le Pet Tokyo. Je présente mon dossier, là, j'aimerais bien que vous me l'envoyez. Parce que je le trouvais pas avec une bonne qualité, tu vois. Pour faire l'affiche, il fallait que je l'ai quand même en bonne qualité. Et donc... Mais tu l'as repris, c'est pas le graphiste du Palais de Tokyo qui l'a fait pour toi. J'avais un peu tiré les pompes du. Ça c'est trop drôle. Ah oui, parce que ça fait complètement partie de ton process en fait, c'est d'aller chercher les matériaux, les besoins, les informations. Il faut se faufiler. Parfois il faut un peu, voilà, bon parfois il y a des choses tu les trouves, mais là je le trouvais pas. Et puis non, et puis c'est pas ça, c'est que bon Palais de Tokyo, j'avais fait un peu différemment. Parce que Palais de Tokyo, je leur avais pas vraiment demandé en fait. Palais de Tokyo. Il y a la vidéo. Je les ai appelés. Non, mais pas les Tokyo. Ça, les gens voient pas. C'est tout que j'ai fait, soit par téléphone, soit par email. C'est-à-dire, que je les ai appelés. Et justement, je crois que c'est pour. Je sais plus pourquoi, mais en gros, je les appelle et je leur dis. Bon, bah là, concernant le planning de l'exposition de John Hammond qui a lieu au 1er juillet, je lui demande quelque chose. Je lui dis, j'aimerais bien avoir le. J'aimerais bien que vous. Alors, j'envoie au service com. Je crois. Je leur dis, j'aimerais bien que vous envoyiez le dossier de presse, la presse, tu vois, pour communiquer sur le projet, je crois. Je crois que je fais un truc comme ça. Et c'est osé, quoi. Fallait qu'ils te croient. Non, mais je sais plus exactement ce que je leur demande. Avant petit coco, on connaît notre programmation, quand même. Mais figure-toi que pas tant que ça, hein. Parce qu'ils me disent, c'est ça qui est génial. Tu sais, ils me rappellent plusieurs fois, et ils me disent, ah oui, mais. Je me souviens de cette expo, mais oui, bien sûr. Je me dis, non, mais il me dit pas ça, il me dit, mais c'est quand même bizarre, je vous trouve pas dans le planning, tu vois, Mais il y a le doute. C'est quelle date? Tu sais, il y a une espèce de doute qui se crée et tout. Mais si, regardez bien. Mais je crois que j'avais fait ça pour obtenir autre chose. J'avais pas le fait parce que je m'attendais pas non plus à ce qu'ils fassent la promo du truc. Mais je l'avais demandé pour autre chose. Je sais plus, je me souviens plus. Mais enfin, de toute façon, à chaque fois, ça donne lieu à des trucs un peu comiques. Ce qui se passe, voilà. Bon, alors après, oui, c'est vrai que tu parlais aussi de la fondation Louis Vuitton où là, je me suis fait accueillir. Pourtant, c'était la nuit européenne des musées, je crois. Ou la nuit, un truc super ouvert. Ouvert à tout le monde. La culture ouvert à tout le monde. Ouais, tu vois. Et j'arrive, bon, je fais une projection sur la façade. Puis c'est ça toute la problématique en fait que pose ce que je fais, c'est qu'en fait il y a pas tu peux même pas tu dégrades vandaliser tu dégrades rien voilà au pire bah tu c'est de l'art et puis c'est un portrait, je veux dire c'est pas une photo de fesses ou j'en sais rien, tu vois. Tu peux même pas me dire oui mais alors il y a des enfants ou je sais pas quoi, tu vois. C'est une photo et c'est un portrait, il y a rien, c'est même pas tu vois, donc ça montre que ce qui est parce que tu sais maintenant quand il y a des trucs à Versailles, ils font toujours des espèces de polémiques pour un oui ou pour un non, parce que il y a une petite association catho qui est un peu énervée parce qu'ils ont fait un truc un peu phallique, tu vois. Bon, ce que je peux comprendre, voilà, tu vois, ils provoquent un peu des gens qui sont faciles à provoquer, c'est facile d'aller provoquer, oui, petite association catholique parce que t'as fait un truc qui ressemble à un zizi, je veux dire, bon, tout le monde est capable de faire ça. En plus, ils en font des tonnes pour essayer de faire parler de l'exposition en général, parce qu'ils savent très bien, tu vois. Donc tout ça encore, c'est de la espèce de promo, tu vois, où ils utilisent un peu la stratégie du choc, tu vois. Mais tout ça, ça choque qu'une cible qui est facile à, qui voilà, qui est un peu, mais c'est normal. Une institution, c'est facile un peu d'aller titiller le. Mais toi, t'aimes faire ça. Tu veux titiller les institutions. Oui, mais parce que les institutions, elles représentent le pouvoir, tu vois. Elles représentent, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Je m'attaque pas à une cible facile. Oui. Et puis le titillement, il se joue pas sur le contexte, en fait. Voilà, il se joue pas sur des totalement. Trucs. Il est vraiment critique de l'institution en soi. Donc après, bon, je m'attends pas à ce que c'est sûr que quand tu critiques aussi ce oui, système, tu seras pas bien reçu. Non, mais tu t'attends pas non plus à ce que déroule le tapis rouge. C'est vrai aussi. De toute façon, ton travail depuis le début, c'est une sorte de critique. Bah, il y a quand même l'art promotionnel qui ne vend rien, si ce n'est
montrer cette image. Ouais, il y a cette image a... qui n'est pas vraiment toi non plus. Enfin, c'est toi sans être toi. Oui, mais bon, l'art c'est pas censé non plus vendre quelque chose, quoi. Voilà, c'est-à-dire ouais. qu'à un moment, bon, on peut pas me reprocher de pas avoir forcément. Bon, même si j'ai une économie qui est liée à ce que je fais, et c'est très bien. Ça, c'est pas. Et puis voilà, je suis pas non plus dans une espèce de critique de la société de consommation, comme c'est le truc, tu vois, un peu classique. J'ai deux questions par rapport à ce qu'on vient de se dire. Il y a peut-être des auditeurs qui vont nous écouter, ça fait déjà un peu plus d'une heure, ils vont se dire, mais au final, c'est quoi l'art promotionnel? Parce que c'est au cœur de tout ce que tu fais. C'est ton slogan qu'on voit partout. C'est ton mouvement. Ça peut être compris à travers tout ton travail. Mais si on voulait le résumer, comment tu l'expliquerais? Bah, c'est la promotion qui fait l'artiste ou le degré zéro. Allez, c'est super. Allez. Non, mais c'est en fait. La façon la plus simple de l'expliquer, c'est de dire que la première chose dont se sert un artiste pour faire sa promotion, c'est son talent. Voilà. Donc, à un moment, on est tous, je pense, à partir du moment, et même pas que dans des métiers créatifs, on est tous dans un rapport à la promotion de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, parce que dans ce monde des on peut tous se promouvoir des réseaux sociaux tu vois, on est devenu espèce de panneau publicitaire de nous-mêmes, si tu veux. Oui, c'est étrange. Ouais. Des hommes et des femmes sandwich auto promo, c'est que pour voilà, chacun a son truc à vendre, son truc à défendre. Après, c'est quoi un peu ton regard là-dessus d'ailleurs, genre toi qui es genre dans l'art promotionnel par pur quoi, par essence, quel regard tu poses justement sur ce côté, on est tous des hommes sandwich sur les réseaux sociaux. Et puis les plus jeunes générations qui sont devenues hyper balèzes pour se vendre, c'est leur univers, curieux, ouais, c'est complètement à l'aise avec ça, et puis ça c'est leur matériau. Après c'est des outils, voilà. Alors après voilà, je fais attention, j'évite de, tu vois, tout ce qui est l'économie, les réseaux sociaux, tout ça c'est des outils, ce qui est pas en soi. Je pense pas qu'on puisse bon, toujours le critiquer, mais je veux dire, c'est pas en ça que c'est la problématique, est pas vraiment dans l'outil. Je pense qu'il est plus dans ce que tu fais de l'outil, dans l'usage, hein. Dans l'usage, voilà. Et donc voilà, je veux dire, avec des outils simples, je veux dire, ce que tu fais avec un marteau, je veux dire, tu peux péter la gueule à quelqu'un, ou tu peux construire, voilà. Ouais, bien sûr. Voilà, je pense que c'est assez parlant, pas besoin d'en dire beaucoup plus, mais c'est pareil avec je pense que c'est pareil avec les réseaux sociaux, c'est pareil même avec l'économie en fait. L'économie, c'est un outil qui peut te permettre de vivre, tu vois, et de passer du c'est pas du faire vivre ta famille, ça peut aussi voilà t'emmener dans des trucs qui sont pas voilà. Donc après chacun choisit là où il veut là. Et surtout bon, il y a quand même deux aspects aussi avant d'aller un peu plus loin dans la question que tu posais, il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect promotion sur les tomates. Donc c'est un peu l'ambiguïté qu'il y a aussi dans ce mot, et c'est pour ça que j'ai choisi promotion, et parce que voilà, l'étymologie du mot promotion c'est promovere, en latin c'est faire mouvoir. Ça, mettre en mouvement. Voilà, mettre en mouvement, faire avancer, faire. Alors, c'est pas forcément l'idée d'évoluer, tu vois. On n'est pas dans ce, mais on est toujours dans l'idée de mouvement. Et en fait, le mouvement, c'est aussi la planète qui est en rotation, l'univers qui est en expansion, les atomes qui sont toujours en mouvement. Enfin, je veux dire, c'est l'idée d'exister grâce au mouvement. Je pense que c'est quelque chose qui est assez, originel et même voilà métaphysique. C'est-à-dire que ça fait partie, je pense, des grands principes de l'univers et de l'existence. Et ce qui nous permet, en fait, voilà, à tous, chacun, selon nos activités, de pouvoir exister, voilà, en tant qu'humain, parce que ça nous permet de, voilà, d'avancer dans les choix qu'on a faits. Donc, il y a un aspect qui est quand même assez, je pense, disons, tout positif, on va dire. Et il y a cet aspect aussi assez critique et des dérives de la promotion sur les tomates, parce que effectivement dans promotion il y a aussi la promotion sur les tomates et être prêt à tout finalement pour vendre sa tomate. Et donc là parfois j'ai l'impression que les gens vont très loin, si tu veux, c'est-à-dire que, et forcément moi je vois tout par ce biais-là. Et je regarde toujours de quoi finalement les gens se servent pour vendre leurs tomates. Et donc il y en a qui n'ont aucune hésitation et qui se servent de la parfois ils s'en rendent pas compte, mais ils se servent voilà de la guerre, qui se servent, enfin je veux dire, à un moment quand tu, bon je vais pas rentrer dans les je vais pas faire des polémiques, mais je veux dire quand tu oui tout est sujet voilà quand il y a des artistes qui oui, se précipitent d'un oui, coup oui. Pour voilà on a tous un peu voilà parfois bah, c'est un peu dans le milieu de l'illustration c'est pareil, dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité
tout le monde fait son visuel sur voilà. Prenons oui, la mais là, l'Ukraine. Oui, mais il y a aussi les questions qui se posent. Est-ce que je dois faire un visuel? C'est des questions qui peuvent se poser aussi. Ouais, ouais. C'est assez intéressant. Je me souviens, fut un temps, je me mettais la pression en me disant il faut que je fasse une image sur tel ou tel sujet. Il y a que les dessinateurs et les dessinatrices de presse qui se posent pas la question parce que c'est leur travail, ils doivent prendre compte de la. Voilà, mais voilà, mais pour tous les autres, il y a une histoire de conscience. Est-ce que j'interviens pour qu'on me voit, pour être présent. Oui, mais c'est bien aussi de faire partie des personnes qui aident aussi à des non, c'est fin. Oui, c'est quelle est la motivation intérieure, la première chose qui. Bah, il y a un peu des deux, quoi. Donc ouais, ça joue pas. Moi, ombre et lumière, quoi. Je suis un peu des deux. J'essaie d'être. Alors, à mon niveau, après tout, on n'a pas une conscience de ce truc-là quand il voilà, comme je peux l'avoir, parce que c'est toute ma démarche là-dessus. Moi, je le fais pas trop. Voilà, je le fais pas trop parce que. Le fais pas trop quoi. Ah ouais, j'utilise pas. Approprié les. Moi, j'ai même du mal, ne serait-ce que pour critiquer ça, j'ai même du mal à parce que je pourrais très bien, tu vois, faire même de l'autocritique de ça, c'est-à-dire me servir de trucs comme ça pour essayer justement d'énoncer cet aspect-là. Ouais. Mais même là-dessus, je le fais pas trop. Alors après, bon, là, on rentre dans une espèce de, je sais pas, j'ai l'impression de flirter avec la morale quand je dis ça, mais donc je veux pas trop non plus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que tout n'est pas nécessairement voilà, mal ou bien, mais au moins j'essaie d'avoir quand même d'avoir conscience de ça. J'essaie quand même d'avoir conscience de ça, et puis bon, de toute façon, c'est pas non plus super facile d'y échapper. C'est pas non plus super facile d'y échapper, mais il faut pas que ça devienne aussi parce que souvent, en fait, c'est par un manque de. Alors quand tu illustres quelque chose, je veux dire, bon, d'une certaine manière, c'est moins grave parce que t'as pas forcément, je veux dire, tu illustres des choses qui existent. Alors quand t'es illustrateur, par exemple, tu vas illustrer, voilà une situation, tu vas illustrer même un événement, tu vas illustrer quelque chose. Donc c'est un petit peu ton rôle d'une certaine manière d'illustrer peut-être un événement ou quelque chose. Donc puis chacun va l'interpréter un petit peu à sa façon. Donc éventuellement, pourquoi pas. Mais même s'il y a toujours quand même un lien, mais c'est un peu quand même aussi ton rôle. T'as une démarche artistique, t'as une ligne. Et quand t'as une démarche artistique et finalement ça devient le contenu. Bah bien sûr. Parce que finalement t'es un peu en manque de contenu aussi. C'est-à-dire que si ces choses-là deviennent ton contenu, c'est que certainement. Tu pourrais en Ukraine maintenant et placarder tes affiches là-bas si on voulait tomber dans la caricature pour profiter de la situation, par exemple. Je pourrais le faire éventuellement, mais de toute façon, allez, quoi qu'il se passe, moi je ne rentre jamais dans les grands trucs comme ça. Quoi qu'il se passe, je ne rentre jamais dans ces trucs-là parce que de toute façon, t'es récupéré d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire, tu voilà, puis tu positionnes pour un truc ou pour un autre. Oui, c'est clair, c'est clair. Et se positionner, voilà, je suis un peu la Suisse, j'essaye d'être neutre. non mais voilà, je parle du zéro, donc j'essaie dans une espèce de neutralité. Degré zéro. Ouais. Et puis bon, voilà, surtout sur des trucs comme ça, on se rend pas compte. Nous, on n'est pas d'un coup. On dit, il faut, tu vois, et puis en fait, tu te rends compte que, est-ce que, tu sais, c'est le battement d'aile du papillon, c'est-à-dire qu'un peu, est-ce que mon petit truc où j'ai cru, mais est-ce que ça va pas finalement déclencher une guerre, tu vois? Parce qu'en fait, on s'est tous mis comme des dingues, tu vois, ah oui, effectivement, défendre un peuple qui est attaqué, mais en fait, on sait pas la réaction que va avoir l'autre camp, et puis on sait pas, il y a un moment, il va peut-être en avoir à la casquette de l'Occident, et il va te dire, bon, bah allez hop. Tu vois, donc à un moment il faut aussi faut rester un peu aussi, je pense, quand même un peu peut-être à sa place, c'est-à-dire qu'on n'est pas des experts, nous, en politique internationale, tu vois, et puis d'un coup on se fait embarquer dans des trucs qu'on maîtrise pas. La vérité, c'est que moi j'ai un sujet que je maîtrise un petit peu, c'est l'art, tu vois. Il y a des sujets que je maîtrise pas du tout, tu vois, donc à un moment j'essaie de pas rentrer dans ces choses-là de façon émotionnelle. Ouais. C'est ça. J'essaie de pas rentrer dans ces choses-là de façon émotionnelle parce que je sais que derrière c'est des sujets que je maîtrise pas forcément et sur lesquels C'est sage de suivre ta propre ligne. Je veux pas non plus. Puis c'est pas ça, c'est que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui quand même apprécient mon travail, qui peuvent avoir des visions. Ah ouais. Des visions différentes. Moi je peux penser quelque chose, les gens qui apprécient mon travail peuvent penser autre chose, et je veux pas non plus je pense pas que je vais les influencer, mais je veux dire, voilà, ça influence quand même aussi un petit peu de se positionner parfois sur des sujets qui sont pas Côté Raymond. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le film.
Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Non, mais t'avais dit quelque chose qui m'avait ouvert une porte. Non, puis... que tu prenais parti pour toi. Oui, voilà. Et donc en fait, en voilà. Je suis bon, hein. Ouais, merci de me remettre sur le chemin, sur la route. Et en fait, oui, quand tu prends parti finalement pour toi, on peut pas te, tu vois. On peut te reprocher de prendre ton propre parti, mais on peut pas te reprocher vraiment autre chose en vérité, sûr, parce que t'es très honnête sur la question. Donc. Mais moi, ce que je trouve aussi assez intéressant dans ta démarche, c'est que c'est. Vous m'excuserez si c'est peut-être un regard extérieur. Enfin, je trouve que c'est très français. C'est l'homme ou la femme providentielle. Mm-hmm. C'est que la solution se trouve toujours en dehors de nous, mm-hmm. que à travers ta démarche, ton travail, mm-hmm. et c'est aussi un petit peu ce qu'on essaie d'encourager sur. Non, bien sûr. Oui, mais en général, c'est que on attend la solution qui est en dehors de nous, et qu'en fait, de se choisir soi, en fait, de raconter sa propre histoire, et de pas forcément attendre qu'on l'écrive à ta place. Ouais, voilà. Et c'est ça que je retrouve notamment dans toute ton histoire, c'est quelque chose qui nous est cher dans la philosophie Sens Créatif, c'est de juste bouger les fesses et d'y aller, quoi, et de pick your own story, tu vois. Carrément. Et puis d'ailleurs, il y a 2 ans, t'as créé ta propre monnaie, Ah ouais, ouais. Ah, ça c'est drôle. Tu peux nous en parler? Alors ça, en plus, c'est le gros projet qui est en développement là actuellement, parce que il y a tout un développement à ce projet qui est vraiment créer sa presque même sa propre en créant sa monnaie, tu crées aussi ta propre économie, ton propre modèle économique si tu veux, et d'une certaine manière tu peux aussi te libérer finalement de l'économie, enfin en tout cas l'économie au sens le modèle monétaire en tout cas disons presque européen. Alors je mets des pincettes parce que bon, ça fonctionne, enfin je pense que ça va fonctionner parce que tu veux dire ton projet. Ah, le projet à monnaie, oui, parce que le projet à monnaie, bon là il y a eu la première phase en fait qui a été de il y a eu la mise en vente des 1500 ouais, je vais faire un petit explicatif là-dessus. Il y a eu la mise en vente des 1500 premiers billets, il y a 5000 billets qui ont été imprimés donc par les imprimeurs de la monnaie européenne. Hein, c'est génial, comment européens. T'as fait pour rentrer là, quoi? Bah c'est bon, je vais passer les détails, ouais, mais enfin, sûr, en tout cas sûr, c'est ouf, quoi. C'était possible. Non, mais ça a pas de. Et voilà, on rappelle, c'est toujours à l'effigie toujours avec le joueur, John, quand il avait 17 ans. Voilà, donc toujours à l'effigie du portrait. Enfin, toujours avec le. Du John, on va l'appeler comme voilà, ça. Voilà, du John, ouais. Ouais, je veux pas trop rentrer en mode troisième personne, mais bon, parfois, je suis quand même un peu obligé parce que c'est pas. Oui, c'est plus toi. Je suis même pas acteur, je veux dire, c'est même pas comme si, tu vois, c'est vraiment un portrait. Non, mais c'est un portrait, donc bon, je peux en parler à la troisième personne, c'est pas comme si je voilà. Donc la monnaie. Première phase. Première phase de vendre des billets. Donc chaque billet en fait est numéroté, chaque billet est unique. C'est pour ça que c'est un vrai billet. Chaque billet est enregistré sur la blockchain, voilà. Il a un certificat, c'est une sorte de NFT déjà avant les. Alors il y a plusieurs. Alors les, je vous donne les 4 grands axes. Donc il y a banknote, c'est-à-dire c'est le billet. Il y a NFT, il y a token et il y a metaverse. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui va se situer entre ces différents univers. Donc chaque billet qui est enregistré sur la blockchain, parce que les gens l'ont acheté en utilisant leur email. Donc on a l'email de toutes les personnes qui ont acheté un billet. Chaque personne a reçu son certificat blockchain pour son billet, qui est à la base une sorte de certificat d'art, tu vois, qui authentifie ton œuvre. Et ce certificat, en fait, va permettre d'avoir un droit pour minter le NFT. Alors bon, ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionnent ces projets, tu pourras, alors pour ceux qui ont des portefeuilles, des porte-monnaies électroniques ou qui ont une adresse électronique, ils pourront en fait participer. Ils ont un droit de mint pour obtenir en fait le billet sous forme de NFT. Et donc ce billet va te donner des accès à la suite du projet, et tout ça va te posséder finalement le NFT, te donnera en fait l'accès à des airdrops finalement de d'autres œuvres NFT que je vais réaliser. Et en fait, c'est posséder ce NFT, c'est comme finalement faire partie d'une espèce d'écosystème, tu vois, et de communauté. Il y a l'idée aussi de créer une communauté autour de ce projet qui va aussi se déployer, tu vois, dans le métaverse, parce que moi je suis très impliqué dans des projets de métaverse depuis 2017. Mm-hmm. J'ai participé à créer le premier musée. Alors c'est dans Decentraland, c'est un des premiers métaverses qui a été créé. Ouais, vous pourrez mettre les liens. J'ai participé parce qu'on est plusieurs. Voilà, à l'époque on a acheté, ça s'appelait même pas NFT, mais on a acheté des terres en fait dans les métaverses. Oui, ouais. c'est Alors moi, je,
internet. Moi, je ne connais pas des masses. Bon, c'est des projets décentralisés. C'est un projet décentralisé. Ça veut dire que, effectivement, c'est un univers. Alors, pour essayer de donner des pistes un peu aux gens, c'est quand même des mondes virtuels, qui sont construits grâce à la blockchain et qui sont donc décentralisés de ce fait, parce que chacun, si tu veux, avec des crypto-monnaies, si tu veux acheter un NFT qui va te donner, alors un NFT ça peut être une œuvre, mais ça peut être aussi un acte de propriété. Donc là en l'occurrence c'était des droits de propriété sur des terrains virtuels, mais ces terrains virtuels ont permis de créer des projets. Et je suis sur plusieurs projets, mais un des projets en tout cas puisque les autres sont pas forcément artistiques pour l'instant, mais enfin en tout cas un des gros projets sur lequel je participe, c'est le premier musée dans un métaverse. Et donc actuellement il y a des expositions d'artistes plutôt liés au numérique qui exposent leurs œuvres sous forme de NFT, et il y a des expositions avec des vernissages qui sont organisés, donc chacun vient avec son avatar et peut visiter le c'est des Sims en fait. Si tu veux l'imager, c'est ça, mais c'est en live si tu veux, et c'est surtout en réalité virtuelle. Ouais. C'est-à-dire que bon, la grosse différence avec les, alors c'est tu peux visiter, parce que bon, c'est vrai que je suis pas nécessairement avec le casque quand je navigue, mais tu peux avoir le choix soit de mettre tes lunettes et de vraiment te rentrer dans le monde virtuel, soit sinon tu peux le voir via ton ordinateur et puis via ta fenêtre de navigation, tu peux le voir comme un jeu vidéo ou. Ouais, bien sûr, ouais. Donc ça fonctionne à plusieurs niveaux, et puis ça permet de créer des nouvelles Alors déjà c'est aussi une réponse, c'est-à-dire que tu vois bon, moi en général on m'invite pas dans les musées. Bon bah voilà, la réponse c'est créer un musée. Voilà, tu vois, on est toujours dans cette même et voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les crypto-monnaies, dans le métaverse, dans ces choses-là. Alors encore une fois, ça peut être vu de différentes façons, mais en tout cas ça permet une forme de liberté qu'on retrouve pas forcément dans l'administration française. Dans l'administration française, oui, encore une fois. Mais l'art promotionnel, c'est de ne rien vendre. C'est pas de rien vendre, parce que je suis pas du tout contre l'économie, et il faut qu'il y ait un modèle économique, justement. J'essaie de défendre. C'est quoi, toi, ton modèle économique? Parce que, mon modèle économique, c'est carrément de créer. Alors, ça dépend des projets, hein. Mais là, comment tu fais tourner la petite maison, de John Hammond? Bon, après, c'est pas, mais il y a toujours, si tu veux, il y a toujours une possibilité de participer au financement d'une campagne, tu vois, quand je lance une campagne d'affichage ou une campagne d'exposition, tu vois, les gens, je mets toujours en vente soit un poster, je produis pas des millions de choses, mais il y a toujours quand même quelque chose qui permet un peu de financer le projet, de financer la démarche. Quand je lance un nouveau projet, je mets toujours en vente quand même quelque chose qui permet d'accompagner le projet. Alors là, c'est vrai qu'avec la monnaie, je vais un petit peu plus loin, parce que j'essaie vraiment de structurer presque une sorte d'économie parallèle. Et puis les NFT le permettent, en fait. Et puis même dans l'art de marché, parce qu'en fait, là, on en revient plutôt, c'est plutôt les galeries qui sont, je pense, un peu, alors bon, ils arrivent à récupérer aussi les choses, mais je veux dire, en fait, tu reprends le NFT, ça te permet quand même de, parce que tu peux l'associer à une œuvre physique, hein, le NFT, c'est à un moment, c'est pas nécessairement digital, tu vois, ça peut représenter une œuvre physique, ça lui permet de, tu peux y associer des pourcentages de rétribution sur les reventes, par exemple, c'est-à-dire qu'un collectionneur qui va l'acheter, quand il le revend, il y aura toujours un petit pourcentage qui sera reversé à l'artiste dans justement l'exploitation finalement commerciale de l'œuvre, sans passer par les galeries, et tout ça est finalement un peu détenu par les artistes, donc et les créateurs en général. Donc de toute façon, c'est une révolution de ce point de vue-là. On pourrait dire que économiquement, t'as réussi à développer un système qui te permet d'être financièrement libre et de faire ce que t'as envie. Là, j'essaye d'aller encore un peu plus loin là-dedans, parce qu'effectivement, je te dis, la monnaie, c'est vraiment créer presque même son propre système économique. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce qui se passe dans les rues de Paris, et notamment justement avec ton projet phare, hein, les affiches.
qui disparaissent petit à petit. Parce qu'en pour résumer, ils font du nettoyage du vandalisme artistique. Voilà, donc apparemment, est-ce que tu fais du vandalisme artistique? Alors, apparemment, je ne suis pas l'affichage considéré... sauvage. Voilà, apparemment, je fais de l'affichage sauvage et c'est interdit. Voilà, c'est interdit alors que bon, c'est pas bien. OK. Voilà, c'est pas bien et il y a une espèce de grande opération qui a été lancée pour détruire toutes les œuvres que j'avais posées qui sont en plus, il faut quand même le préciser parce que on essaye de faire passer ça pour des affiches qui sont pas des affiches. Techniquement, c'est pas des affiches, c'est pas du papier qui est collé, c'est des choses qui sont imprimées sur un support qui est plus un support qu'on utilise même dans des expositions de photos. Donc c'est un support qui est rigide, qui est collé, voilà, parce qu'on dit que j'essaie de coller de façon un peu pérenne. Et donc voilà, qui est retiré arbitrairement là par la mairie sous prétexte que l'affichage sauvage c'est considéré comme de l'affichage sauvage et que voilà, alors que ça trompe personne, je veux dire la plupart des gens me connaissent en tant qu'artiste depuis 20 ans, ça n'a jamais dérangé personne ou alors quelques obsédés que va-t-il dire? Non, mais d'une espèce de, tu vois, quand les choses sont voilà, quand il y a pas de vie, je veux dire, à un moment, l'art urbain, ça permet aussi d'apporter une forme de vie. Les œuvres, il y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être dans Paris, il y en avait peut-être une quarantaine, tu vois, à tout casser. C'est ces 40-là qu'ils ont enlevé? Ils ont tout retiré. Ah, voilà, on a l'impression qu'il y en a plein, mais il y en a 40, il y en avait une quarantaine, ils ont décidé de prendre. Ah ouais, c'est vrai qu'on pense qu'il y en a plus, ouais. Non, mais ils ont décidé de prendre des camions avec des échelles élévatrices pour aller tout retirer. Vidéos, en plus, ils ont du mal parce que c'est pas des affiches et c'est des œuvres et puis surtout qu'ils laissent beaucoup d'autres choses. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient tout retiré. Alors moi, évidemment, je veux pas qu'ils retirent tout, mais retirer qu'un artiste, c'est quand même problématique. Surtout que bon, voilà, je suis le seul qui critique un petit peu, donc c'est quand même un petit peu gros que voilà, dès que tu t'attaques un petit peu à l'institution, au système, bon bah voilà, d'un coup tu t'es pas considéré comme un artiste, donc c'est quand même un petit peu gros de ce point de vue-là. Oui, non seulement tu dénonces le fait qu'il n'y a pas de soutien, mais encore puis en plus voilà. Te, et donc en plus, non mais ce qui est un virer, truc qui, ouais, puis un truc qui est quand même un peu plus grave, c'est que si la place des artistes c'est pas dans les musées et que on s'était aussi un peu trouvé une place dans la rue et que là on a même plus de place dans la rue, c'est-à-dire qu'on est un peu exclu, tu vois complètement. Si on est vraiment exclu de la société, donc fais tes petits dessins chez toi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc fais tes petits dessins chez toi et puis voilà. Donc il y a quand même un truc qui est vraiment pas acceptable et puis et puis je veux dire, bon bah voilà, j'ai fait. T'as essayé d'entamer une communication avec la mairie? Ah non, mais tout ça, en plus, bien sûr, tout ça vient par des propositions. Je suis en lien, moi, j'habite dans le quartier, donc Paris Centre, j'habite dans Paris Centre depuis 10 ans, d'accord. Donc là, il y a un nouveau maire qui arrive. Il veut faire son, je sais pas, il cherche un peu à se faire remarquer ou à essayer de plaire à une espèce à ceux qui se sont opposés à lui, parce que la vérité c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont aussi opposés à Hidalgo et à leur politique, et parce que effectivement les rues sont sales, c'est vrai, les rues sont sales, les rues sont pas entretenues, et que d'un coup c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent un petit peu tout dans le même sac et qui savent pas faire la différence entre l'art et les poubelles, tu vois. Donc à un moment c'est triste qu'on en soit à ce niveau les institutions ont une responsabilité parce que du fait qu'elles ne comment dire quand elles reconnaissent pas non plus les démarches artistiques, on peut, tu vois, on arrive aussi à ce, c'est aussi la conséquence de ça, c'est-à-dire qu'ils ont pas compris et donc du coup en fait c'est tout voilà, donc allez hop on arrache tout, et puis c'est violent parce qu'en fait tout ça, je veux dire, ces vidéos, on voit la mairie arracher les œuvres, je veux dire, enfin l'histoire de l'art, elle retient tout. Hein. On a tous les trucs de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art. On le mettra en attente. Ça va pas refléter, ça va pas donner une très bonne image de la façon dont on acceptait. Donc prenez l'art à cette époque-là, tu vois, à notre époque. Parce que tu vois, aujourd'hui, on se tarde, on se dit oui, mais comment je vais pas être prétentieux, mais je veux dire aujourd'hui. Tu vois, on se moque presque des gens d'une époque qui n'a pas réussi à comprendre le travail de Van Gogh, tu vois, qui n'a jamais été. Oui, c'est pas mieux maintenant, en fait. C'est ça que non, mais voilà. Non, mais puis aujourd'hui, on se dit non, mais comment à cette époque ils étaient vraiment c'était débiles. Du pur génie, Non, mais ils étaient vraiment débiles, tu vois. C'est vraiment, tu vois, ils comprennent. Mais bon, aujourd'hui. C'est l'histoire de l'humanité, ça se répète tout le temps. Non, mais voilà. Non, mais sans comparer à Van Gogh, mais je veux dire, il y a un moment, il faut quand même comprendre ce qui se passe artistiquement dans une époque. Et là, a priori, je pense qu'ils ont pas.
pas ils ont pas saisi et ça donne pas une très très bonne image, voilà. Et puis ça trompe personne parce que voilà. Mais bon, et puis moi je me retrouve un petit peu alors un truc que je vais dire quand même aussi, c'est que sur Twitter, tu vois, t'as quand même beaucoup de gens qui t'as beaucoup de rageux qui se sont là lancés dans une espèce de et qui sont très haineux, tu vois. Moi ils m'insultent, ils me menacent, tu vois, ils me limite ils appellent là, à pour la pour le coup l'exposition tu l'as quoi. Non mais ils m'appellent à la il y a quelqu'un qui s'appelle c'est un petit journal là du quartier qui s'appelle Paris Marais. Il appelle à la torture de John Hammond sur place publique. C'est-à-dire que le mec, il veut c'est lui, parce que j'ai un peu enquêté, tu vois, et c'est lui qui a un peu alors. Non mais c'est quoi ça, la torture publique de John Hammond? C'est un petit groupe de fous furieux sur Twitter en fait qui a mis la pression. En même temps, il te donne du grain à moudre parce que tu vas pas rester comme ça, tu vas contre-attaquer. Alors voilà. Après je fais attention parce que il y a quand même des gens qui sont, je te dis, ils appellent le boycott public. Non mais ils appellent à des punitions financières, tu vois, ils appellent vraiment, ils veulent vraiment mettre, ils sont vilains, hein, tu vois, ils sont vraiment vilains, ils ont que ça à faire, parce que la vérité c'est que je les vois, ils sont sur Twitter, ils ne font que ça de la journée, c'est-à-dire qu'ils envoient, ils font des posts, des trucs et tout, ils parlent pas que de John Hammond, hein, mais ils parlent de plein de trucs et ils ne pensent qu'à ça, ils ont pas de projet dans leur vie, triste. Non mais je regarde, c'est des gens qui ont alors je sais pas comment vous êtes, ils ont 40 000 tweets, des trucs, je veux dire c'est des trucs ils passent leur vie à tweeter, c'est des fous furieux. Et en fait, ils sont une petite groupe un peu organisée et je sais pas pourquoi, tu vois, par exemple, bah là le maire arrière, ouais, il les a pris au sérieux, tu vois. Il les a pris au sérieux alors que parce que lui je vous ai compris. Non mais ils pensent que ils essayent de, alors que c'est un petit groupe de 150 personnes, si tu veux. Moi j'ai envie de lui dire viens un peu sur Instagram, tu vois, il y a pas que Twitter dans la vie, il se passe d'autres choses, on est plus cool et les gens ils comprennent ce que je fais sur Instagram, tu vois, sur Twitter, et c'est des arriérés un peu rageux qui sont non mais c'est des arriérés, ils sont c'est moi ça m'attriste qu'on en soit là, parce que j'ai commencé il y a 20 ans, tu vois, j'ai commencé il y a 20 ans et que il y a 20 ans, tout le monde s'en fichait. Moi, je mettais mes affiches sur Pasqua. Pasqua, c'était pas réputé pendant qu'il était en pleine campagne. Je posais mes affiches sur Pasqua. Pasqua, il est jamais venu me voir pour me dire, tu vois, chacun à sa place. Je veux dire, oui. C'était des gens qui avaient l'intelligence de comprendre que il y a la politique, tu vois, à haut niveau. Et puis, à un moment, il faut laisser une soupape pour que les gens puissent s'exprimer, les gens puissent faire quand même un petit peu des choses. Je veux dire, ça va. Il y a ce questionnement sur la liberté d'expression entre guillemets, quand j'enfonce des portes ouvertes, mais là il faut les renfoncer parce que les portes sont en train de se fermer clairement, oui. Hein, je veux dire c'est sérieux, hein. Moi j'alerte sur ça du point de vue institutionnel, mais là on voit que là avec le retrait, puis bon moi je suis rien, tu vois, c'est pas comme si mon, tu vois, c'est pour des choses qui sont pas politiquement, je suis pas très dangereux, je veux dire il y a un moment faut quand même j'alerte un peu sur des choses, mais je veux dire je suis pas mais tu prends ta responsabilité, tu... Non mais c'est juste j'essaie d'exister un peu de d'être un peu indépendant, d'exister par même, mais déjà rien que ça, tu vois, c'est déjà trop. Et en fait, tu te dis si tu rentres pas dans le moule, tu vois. Et ça c'est pas facile en fait, c'est une position qui est pas facile parce que bon, tu peux vite te sentir exclu, tout ça. Bon, voilà, moi j'ai un peu la force de pouvoir tenir les positions, mais c'est pas forcément facile. Et en fait après souvent les gens veulent pas non plus se battre et finalement bon bah voilà, se laissent un peu se laissent un petit peu avoir aussi par ce modèle, et puis rentrent un petit peu dans le moule, et puis finalement se laissent un peu faire, et puis petit à petit les choses moi en 20 ans j'ai vu les choses quand même se... Alors moi je pensais que ça allait s'améliorer, ça a empiré en fait, en réalité. J'en suis même à regretter l'époque de Sarkozy, c'est pour te dire. Non mais à ce point, alors ça a commencé, bon moi j'ai connu l'époque de Chirac où c'était quand même assez cool, et c'est là où j'ai commencé, franchement moi jamais personne ne m'a pris la tête sur quoi que ce soit. On peut pas dire que, à part des gens un peu étranges, tu te demandais s'ils travaillaient pas pour des services un peu bizarres, qui venaient me poser des questions la nuit pour savoir exactement quels étaient les tenants et aboutissants de ce que je faisais, pour voir, voilà, si je travaillais pas pour le parti adverse, par exemple. Mais sinon, bon, voilà, ils m'ont jamais,
m'ont jamais rien dit. Et puis, bon, il y a quand même un truc, bon, je le dis, vous verrez ce que vous laissez ou pas. Je veux quand même dire un truc qui est lié à la liberté d'expression parce que t'as abordé ce sujet, c'est que, et dans toute cette problématique, alors je me suis pas encore vraiment exprimé sur ces sujets-là, mais normalement, à Paris, il y a quand même un droit, il y a quand même un droit fondamental que les citoyens, même les citadins, ont, c'est d'avoir, des panneaux d'affichage libre. Oui. Alors. Notamment, alors je dis pas que je fais de l'affichage sauvage, mais si on considère que ce que je fais c'est de l'affichage sauvage, il faudrait pour cela que la mairie respecte le fait qu'elle doit mettre en fait pour un certain nombre d'habitants, tu dois avoir un certain nombre de panneaux d'affichage. On en est loin. D'affichage. Et on en est très loin à Paris. On en est très très loin à Paris. Donc ils jouent une espèce de double jeu en fait où ils essaient de faire croire que les autres sont dans l'illégalité alors que eux-mêmes ne respectent pas le principe de base qui est de mettre à disposition des panneaux d'affichage libre pour la population. Donc moi ma réponse sera plutôt artistique là pour dans ce que j'ai parce que j'ai un truc en tête parce que je veux pas rentrer dans des guerres avec parce qu'après ça peut vite se transformer en guerre d'ego et de machin donc mon travail c'est l'art et je veux pas rentrer dans ces choses là mais quand il faudra passer à l'action tu seras là il y a des actions qui sont prévues pour essayer de trouver un moyen de continuer à exister aussi artistiquement dans la ville, c'est ce que je fais depuis 20 ans et je me laisserai pas censurer comme ça par qui que ce soit boum. Donc on va trouver des moyens, on trouvera une autre forme pour s'il faut. Il y a pas de raison. Trop bien. On va juste terminer avec la traditionnelle petite question, la boîte à boxon. Bah écoute, sortons la boîte à boxon. Voilà. C'est une petite tradition qu'on a. Ah, tu t'inquiètes pas, il y a rien qui explose. En fait, dans cette boîte-là, on a des questions qu'on pose à chaque fois à nos invités. Puis évidemment, ce sont des questions qui sont tirées au hasard par ta main innocente, ta main pirate. Et à toi de jouer. Une question. Ouais, tu prends une question. Il faut que tu la lises, évidemment. Alors, si tu... Ouais, non, j'affiche ça la réponse. Donc, si tu menais cette interview, quelle serait la question que tu voudrais te poser à toi-même? C'est une bonne question. Et pourtant, on a abordé déjà pas mal de choses. Ouais. Que tu te dis, par exemple, quand les journalistes ou les médias s'intéressent à toi, tu te dis, oui, je te dis pourquoi oui, est-ce que vous me posez pas cette question-là, enfin? Oui, mais alors, en général, vous avez vu, je vous posais une question, et puis je réponds tout ce que j'ai à dire, déjà. Donc, j'ai eu l'impression d'avoir dit pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Non, mais j'essaie de voir ce qu'on a un peu oublié. C'est l'interview la plus longue de John Hammond, dans l'histoire de John Hammond, non? Ouais, oui, oui. Après, il y a des gens qui coupent, hein. Il y a beaucoup de gens qui coupent. J'en ai fait des longues et ils coupent. Okay. Nous, on garde la majorité. Ouais, non, parce que c'est vrai que bon, après, quand tu dois écrire, c'est pas pareil, là, avec les podcasts, effectivement, il y a possibilité d'être un peu plus long. Alors, j'ai toujours pas la question. Non, mais j'essaie de voir qu'on a abordé quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a oublié? Non, mais qui toi t'es? Non, oui, j'ai bien compris. Je pourrais te demander ta pizza préférée, mais bon, c'est pas très intéressant. Ouais, non, je j'aime beaucoup la pizza associée. J'ai un t-shirt avec une pizza. Ouais, j'ai vu. Laurel and Hardy. Ah, je suis fan de. C'est un t-shirt promotionnel. Ouais. Tu vois, Laurel and Hardy. C'est une pizza, j'imagine. Voilà. Ouais. Donc, j'ai pensé à toi. Je me suis... En Suède. Ouais. En Suède. Bon, bref, soit. Tu y es déjà allé? Non. Alors, je vais poser la question. Est-ce que tu comptes rester à Paris? C'est à moi que tu poses la question? Non, je me pose cette question. Je te regarde parce que voilà, mais j'ai envie de me poser cette question-là. Est-ce que tu vas rester à Paris? Voilà, c'est une question qui me semble. Parce que bon, c'est vrai que je suis le cœur de cette démarche. Il est lié à Paris Même si t'as affiché dans d'autres. J'ai affiché dans plein de villes, mais c'est vrai que le cœur de cette démarche est né à Paris et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup cette ville. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer et pas de la meilleure des manières donc je pense que j'attends un peu j'attends un petit peu de voir comment tout ça va évoluer mais je commence à penser qu'il faut qu'on se casse.
Il faut qu'on se casse, ouais. Ouais, ça bon. Va être le mot de la fin, je pense. Ouais, il faut peut-être aussi commencer à partir de. Il faut commencer à voir les choses, je pense. La France est quand même un pays qui a des. Alors c'est peut-être une réflexion de citadin, hein, je sais pas, mais je pense qu'il faut peut-être aussi commencer à voir les choses en dehors de la ville. Non, mais. C'est une façon pour moi de dire que je vais certainement commencer aussi à réaliser des choses voilà peut-être alors toujours à l'extérieur mais peut-être dans un contexte qui est moins urbain. John Hammond dans le ciel avec de la fumée et tout, ce serait trop ouf ça. Alors rigole pas parce que c'était prévu pour cette année normalement. Yes, I'm excited. Ouais, c'était prévu normalement, je devais voir des avions et tout qui font des loopings et qui font tout ça. Non, je devais projeter depuis la tour Montparnasse en fait, comme Batman. Ouais, c'était prévu c'était prévu de faire ça. Ça s'est pas fait, je vais voir si je peux le faire cette année. Je vais essayer de le faire cette année. Bon, gardez les yeux ouverts. Voilà. Donc je suis quand même encore un peu en C'était vie. John Hammond sur Sens Créatif. On est très très content. Merci beaucoup John pour ton temps. Ouais, merci pour le moment et le partage. Merci à vous. Et bon casse quoi du coup hein. Ouais. Allez, ciao. Ciao. Salut. C'était notre épisode avec John Hammond. Merci John d'avoir levé le voile avec nous. Alors Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Comment t'as appréhendé l'épisode au départ déjà? Ah bah au début, comme je disais tout à l'heure, j'étais juste hyper grisé d'en savoir un peu plus quoi, parce que ce visage je le vois depuis que je suis à Paris. On sait pas en fait qui c'est, tu vois. Ah oui, c'est vraiment un personnage. Non, moi je pense que j'avais l'impression, alors c'est pas Banksy, tu vois, mais d'un petit peu aller à la rencontre de quelqu'un qui entretient son mystère. Oui, et oui, pourtant, oui. Quand on a discuté avec lui, après on a été manger un non, non, il se cache tout, pas. Ouais. Il est pas aussi mystérieux que ça, en fait. Il se cache pas, c'est pas Daft Punk, voilà. Ouais. Bah, enfin, même les Daft Punk, on sait mais on peut avoir cette impression-là. Leur tête, mais. On peut avoir cette impression-là, mais c'est juste parce qu'en fait, il veut vraiment que le projet passe avant lui, tu vois. C'est-à-dire que l'artiste n'est qu'un vecteur, finalement, de faire la promotion de l'art, et c'est même pas, c'est difficile, hein, parce que je pense que même lui n'a pas la réponse, mais finalement l'affiche c'est pas lui et c'est lui en même temps et voilà et c'est une dualité personne, qui ouais projet, exactement quoi. Ça non et puis je pense que vu que moi j'aime bien approfondir les sujets etc je me suis quand même rendu compte que John avait déjà donné des interviews à droite et à gauche mais jamais de cette envergure entre guillemets genre on a eu au total 2 heures avec lui alors j'ai cuté à 1h30 quand même parce qu'il parle beaucoup John. Mais c'était super intéressant et il a beaucoup de choses à dire. Je suis ressorti de là vraiment genre waouh j'ai vraiment appris plein de trucs. Mais ouais, je suis juste content d'avoir cette heure et demie à vous partager, ouais, que vous venez d'écouter. C'est super de parler un petit peu d'art aussi sur Sens Créatif. Quoi. Oui, et puis c'est un épisode un petit peu plus, comme tu dis, on sort de l'illustration ou du travail de commande pour vraiment découvrir quelqu'un qui se revendique artiste. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper cool. Voilà, donc écoutez, si votre curiosité a été titillée, on vous encourage tous et toutes à aller suivre John Hammond sur les réseaux sociaux ou à visiter son site internet www.johnhammond.com. Il est toujours en train de faire quelque chose de nouveau. Ouais, toujours, c'est vraiment ouf, il y a 20 ans qu'il renouvelle ce seul et unique portrait, c'est assez impressionnant. Voilà, et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Inès Launay qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patreon et du Patate Club. Salut, moi c'est Inès Luny. D'après ce que j'ai pu entendre, il faut un peu se présenter. Bah, j'aurais bien voulu dire que je suis illustratrice ou créatrice, mais la réalité est tout autre, étant donné que je ne suis qu'étudiante. Bon, en illustration, non, je triche un petit peu. Mais peu importe, pas besoin d'être créatrice ou créateur de métier pour faire partie du Patate Club. Mais là, tu te demandes, mais en fait, c'est quoi le Patate Club? C'est tout simplement la superbe communauté qui s'est construite autour du podcast Sens Créatif, car si toi aussi tu te poses plein de questions autour de la création, qu'elles soient un peu méta ou qu'elles soient un peu plus terre à terre, comme l'URSSAF, les devis, enfin tous ces trucs un peu chiants apparemment, du métier de créateur que je n'ai pas eu encore la joie de rencontrer dans ma vie d'étudiante, toutes ces questions sont abordées sur le Discord Sens Créatif, mais pas que, je te rassure, ça parle aussi de plein d'autres choses. Ça permet à tout à chacun de se connecter, de rencontrer du monde parce que dans ces milieux-là on se sent vite seul. Mais enfin bref, comme je dois être rapide et efficace, je t'invite à aller voir le site patateclub.com pour avoir plus d'informations et pour pouvoir avoir accès au Discord et aussi soutenir financièrement Laurent et Jérémy pour leur taf incroyable. Je t'invite à les soutenir sur la page patreon.com/senscreatifpodcast et tout ça pour un montant minimum de 5€ par mois, donc ça c'est trop cool. Et sur ce, à la prochaine, n'hésitez pas à partager.